Alors, moi, il faudra que je fasse mon contrôle qualité, que je regarde comment ça se passe, le retour que je vous envoie quand j'aurai mis Minecraft, si je dois toucher à OBS ou pas. J'espère que La ça va vache, pas j'ai trop. perdu pas mal d'images, j'ai perdu 14 000 images. Oh Ah vache. oui, t'as un problème, Dragon Sky. 14 000, c'est énorme. On a fait quoi? On a fait 2 heures? Attends, c'est beaucoup, Ouais, oui. 2 heures, 2 heures, oui. T'aimais en 30 ou 60 images par seconde? Ben, 60. Alors, 14 000, t'as perdu 10 000, t'as perdu 20 minutes. C'est pas normal. Sur 2 heures, t'as perdu 10%. Même un peu plus. C'est pas normal. Ça fait 120 minutes, t'as perdu 20%, t'as perdu un cinquième, un sixième de ton contenu sur 2 heures. Ouais, t'as perdu 20 minutes, c'est pas normal. Alors, il faut moi que je mette les bonnes vues. Pourquoi je... Ah oui, Minecraft, c'est pas encore lancé. Ah, ça va arriver, bougez pas. On va mettre un petit fond musical. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, on peut mettre le Capharnaüm, c'est sympa. C'est un cafard pour les hommes. Alors du coup, je vais changer de fenêtre. Minecraft, Hop, c'est... hop. Non, ça veut pas. Minecraft, il veut pas. Bah, il me fait la gueule ou quoi le truc? Ouais, attends, moi j'ai un bug. Pourquoi il prend pas ma scène? Bah non plus, il prend pas. Attends. Ah, ça y est, Et... c'est bon. Il y aura un temps de. Je me faisais peur. Alors, je re-rentre dans le. Je vais être chez moi hein, tout à l'heure quand je me suis déconnecté. Non, pardon. Ouais, je suis. Hop, je suis bien. Du coup, il veut pas prendre comme ça, je sais comment je vais faire. Ça a l'air à peu près Bon, fluide. Je regarde le mouvement de tête de Roudoudou. Oh, encore que j'ai des doutes. On va voir. Je vais pas tarder à bouger. Là, je règle mon interface de diffuseur. Excusez-moi du peu. piste sur code, je savais même pas. Les captures de jeu, il ne veut pas prendre. Bah, Oui, c'est bizarre ton cette histoire. histoire là. Bah oui. Alors, je vais essayer de me faire un double visionnage sur l'écran secondaire. C'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui se passe dans mon Twitch en direct, la section. Ah, j'avais pas Ah, vu mais que. il veut pas prendre. Ouais. Je viens de voir à l'instant les bonjours de ce matin dans mon Discord, j'avais pas vu. Je mets des petits cœurs pour être poli, pour dire que j'ai lu. Ah. Mais la dernière fois, j'avais réussi. Je sais pas comment j'ai fait. Peut-être capture de fenêtre, je suis pas sûr. Je sais pas si c'était ça. Ouais, de toute façon, je peux pas faire mieux. Attendez, excusez-moi, j'essaye de faire mon. Ah, c'est pas facile. Hein. Oh là 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 là. Ouais, C'est pas maintenant plus. facile, je vais faire comme ça. Ah, les jouets d'être diffuseur, c'est du sport, je vous le dis, moi. Hein? Ouais. C'est les joies de... Ouais, c'est les joies. Voilà, là, normalement, je vais pouvoir revenir complètement dans le jeu. Je vais regarder mon retour, si quand je bouge, ça passe bien. Ouh, ça a l'air de ramer un peu. Alors, moi, ça rame un peu dans le jeu. Il me dit que j'ai combien d'images secondes? Ouh, si par moment j'ai 8 images secondes, ça va pas du tout le faire. 20 encore, je veux bien, mais alors 8. Bah, Minecraft, il veut rien savoir. Il veut rien savoir, le... Bah, fais une capture d'écran au lieu de faire une capture de fenêtre, Dragon Sky. Capture d'écran, tu dis. Ouais, l'écran complet, ce sera peut-être plus simple pour toi. Et tu demandes à Minecraft à jouer en plein écran, pas en fenêtré. Ouais, duplication, voilà. Faut que je bidouille, ça va pas. La diffusion, elle est foireuse là. Elle saccade trop. Je vais mettre supérieur à la normale. Ouais, du coup, bah, je suis obligé de faire comme ça. Pas le choix.
Pour Minecraft, hein, tant pis, hein, on voit mon bureau, c'est pas grave. Hein, donc, oui, on avait dit qu'on était sur Minecraft maintenant, on avait dit. Alors, pardon, je sollicite encore mon cher public à leur indulgence, puisque dans les minutes qui vont suivre, ça va saccader. Je suis en train de regarder mon retour pour trouver le bon paramètre. Alors là, là je vous présente un diaporama, c'est une catastrophe. Si je fais ça. Du coup, donc c'est bon, un jour, du coup, là, le. Je vais à la confirmation du retour Waze Boost. T'en fais pas, Poupon, qui dit désolé, il n'y a pas de concours avant quelques temps pour le PC. Mais non, mais t'en fais pas, Poupon, c'est pas du tout ta faute. Mais sache que normalement, je devrais pouvoir, mais il faut que j'investisse du temps la semaine qui arrive. Normalement, j'ai un portable qui va me permettre de diffuser. Donc, j'aurai deux ordi avec un peu de chance à la fin de la semaine. Un pour émettre et un pour jouer. Ce qui fait qu'il n'y aura plus théoriquement de soucis. Ah la vache, ça saccade encore. Hein. C'est un poil mieux, mais c'est pas la panacée encore. Visiblement, là, c'est la bonne formule. Je suis largement dessus de 30 images secondes, moi pour le jeu. Et vous, à la diffusion, vous avez quelques petites saccades, mais c'est moins pire. Du coup, il veut pas prendre en compte, du coup. Je peux pas faire mieux là pour le moment, je suis désolé. Mais ah, oui d'ailleurs. Minecraft, c'est bon, il m'a mis à jour la chose. Pourquoi mon téléphone s'est allumé alors que j'ai eu aucun événement? J'ai pas compris, là mon téléphone m'a fait un truc. Bref. Oui, agenda de la chaîne avant de revenir vers toi, Dragon Sky, et essayer de t'aider à la capture. Alors, il est quasiment certain que je vais diffuser vendredi, puisque le week-end prochain, je suis pas là, excepté le samedi matin où je ferai du Dying Light. Pour essayer de compenser et que je peux encore me le permettre, vendredi, je prends congé et vendredi, vous me verrez la journée sur Twitch. La question est-ce que je vais me dégager avant le jeudi? Si j'arrive à bosser mes objectifs de la semaine, on va dire. Je vais peut-être diffuser jeudi aussi, mais c'est pas sûr. Vendredi, je vais peut-être arrêter en milieu d'après-midi. Je commencerai tôt le matin et j'arrêterai en milieu d'après-midi en fait pour souffler un peu et voir Christella. Parce que Christella, normalement, diffusera le vendredi après-midi. Donc, vendredi, à mon avis, je vais faire quelque chose comme 9h-16h30. Un truc dans le genre là. On va dire 9h-16h. Et un peu comme maintenant, c'est comme si maintenant j'allais décider de faire un relais de chaîne à Christella, par exemple. Ça va être le scénario là, vendredi, je pense. Et jeudi... Qui m'a mis à l'envers, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Comment ça, quelqu'un t'a mis à l'envers? J'ai tapé un truc, je crois, et j'étais sur mon minecart tranquille, et puis j'ai fait demi-tour. Ah merde! Ah, t'es parti en sens contraire. Oups. Bah, en fait, c'est les problèmes de saccade, c'est pas lié à la carte graphique, c'est lié au réseau. J'ai le réseau qui est en train de tirer la tronche, pourtant je le demande pas autant. Pourtant, je suis à 2 mégas, et là, il me dit que. Il dit que là, le truc, il est en surcharge, je sais pas quoi. À tout à l'heure, Torota. Voilà, il joue au yo-yo. Un coup, j'ai un bon signal, un coup, j'ai un signal orange, rouge. Ça change. C'est un truc changeant. Ouais, c'est terrible quand c'est comme ça. Et j'arrive pas à diffuser Minecraft, ça c'est énervant. Aïe aïe aïe, ouais bah là si t'as un pépin à réseau, j'ai envie de dire malheureusement je peux pas grand chose pour toi. Alors je vais pouvoir faire de la cuisson. Monsieur Poupon, est-ce que vous êtes passé chez moi ces derniers temps sur Minecraft par hasard? Parce que quelqu'un a laissé un minecart en plein milieu des rails. Et aussi un gâteau devant ma porte accessoirement. Honnêtement c'est pas moi. Si je trouve qui c'est, je serais très gentil avec lui.
Je me permets de faire un rappel des nouveaux moyens de communication que vous avez avec nous sur Minecraft. Ceux qui nous suivent via le chat de Twitch, vous préfixez votre phrase avec mon icône ma tête dans Minecraft là. Ou alors, il y a une autre syntaxe que j'avais mise pour ceux, parce que je crois que c'est une émoticône d'abonnés. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y a moyen aussi. Je crois qu'il faut faire, entre guillemets, une flèche et le M majuscule pour message. Tirer, caractère supérieur, M majuscule, espace suivi de votre message. Attendez, je vais essayer de vous en faire la démonstration. Alors, je vais me pioter dans un lit, vous en faites pas, hein. N'essayez pas de faire passer la nuit, c'est pas grave. Mais moi, ça me permet de faire ma saisie. Je vais essayer de la faire d'ailleurs depuis la tablette, ce sera plus simple. Ça m'évitera de casser mon interface que je me suis mis en contrôle secondaire. Ah, j'ai trouvé. Donc, on verra votre message non seulement sur Twitch, mais dans notre serveur de jeu. Attendez voir que j'essaye. Le caractère supérieur est là. Ensuite. C'est quoi la nouvelle ? Et ben, j'ai réussi à. Non, parce que je galère à diffuser Minecraft. Ah. Et j'ai réussi. Parce que le problème, quand vous mettez en plein écran, l'OBS, il te déclare forfait le truc. Il est en mode non. Non, je veux pas en plein écran. Et quand vous mettez en mode fenêtré, là, il le détecte. Bizarrement. Ah bah c'est bien, t'as trouvé la bonne combinaison. L'imbécile que je suis, en fait, je vous ai donné ma commande à moi de morateur pour déclarer rapidement la rubrique Minecraft, la catégorie Minecraft. J'ai fait autre chose, mais je sais plus ce que c'est, je suis désolé. Faudra que j'essaye d'améliorer ça. Voilà. Et puis sinon, bah, vous avez le Discord. Dans le Discord, voilà, TuneSen a fait la parfaite démonstration. Vous pouvez faire fun fan mange de la purée. Alors, sauf que TwinSense, je t'apprendrai que dans le Discord, t'es pas obligé de préfixer avec mon émoticône. C'est, tu balances ta phrase directement dans la. Voilà. Dans le Discord, ça passe. Pour Discord, ça passe direct sans préfixe ou sans émoticône. Je peux le ban. Oh. Comme ça... hein. D'ailleurs, je n'exclus pas, je ne vais pas demander, mais éventuellement en appui, je vais peut-être demander à mon cousin Rio d'être mon modérateur juste sur Discord, mon Discord. Peut-être. Alors pour le moment, j'ai pas de soucis, mais... Ouais, cousin Rio, il va être modo, j'aime bien, moi, cousin Rio. S'il accepte, je lui ai pas encore fait la proposition, mais... peut-être que c'est pas une bonne idée, dans le sens que je crois qu'il m'avait dit que Discord, c'était pas sa tasse de thé. Donc je suis en train de me rappeler que ça va peut-être pas se faire à cause de ça. Voilà, je me suis fait littéralement allumer et là je suis en train de me faire démonter. Oh non, il y a deux creepers sur le chemin. Je suis obligé de bifurquer et de me barrer parce que là ça va forcément péter. Un, ça va, mais deux, bonjour les dégâts. Ah, je suis coincé, je peux pas aller là où je voulais me rendre. Oh, il y a des abus de borne là. Ah là voilà. Ouais, il y a des abus de borne. Oh mon dieu. Toujours là, c'est bon. Faudrait que je fasse une photo de tous mes Pokémon parce que j'en ai un paquet. J'en ai marre de voir Minecraft. Je vais me remettre à bouder le jeu. De bouder le jeu, comment ça? Ouais, tant que j'ai pas mes pouvoirs de dieu, je boude le jeu. Voilà, provoque un orage, fichtre. En plus, c'est fait nuit, ben, ça tombe très bien. Oh, on voit qu'un duel entre le sage et son zombie super, super équipé. Oh là là. Attends, là, je suis dans la mouise parce que je suis en pleine bataille. Ouais, je vois ça. Y a un petit con qui... ouais. J'ai pas besoin de. Oula. Là, j'ai le. Adieu. mais. Qu'est-ce qu'ils font là Côté à con, ça se fera du bien. Oh, si la pluie est tombée. Oh. Non, ah, c'est un ça. Ça provoque un orage. Ah non, c'était éphémère. Oh la vache. C'est parce que j'ai changé de biome. Je suis revenu dans le désert parce que je suis acculé par les creepers. Non, deux devant, deux derrière. Non, mais ça, non. Aïe. Ça va très mal se passer.
C'est quoi ces mini zombies là? Oui, c'est des bébés zombies comme peut y avoir des bébés villageois quand ils sont tout jeunes. J'aurais aimé te rajouter un zombie de plus. Voilà, bah, je boude Minecraft. Je me souviens pourquoi j'aimais plus ce jeu d'un coup. Ah, t'as provoqué carrément un orage. Et plus un duel au sage. J'ai passé la nuitée de Minecraft à me... D'ailleurs, l'aube va arriver. À me patater. Ah, j'aurais dû passer par les sous-sols. D'ailleurs, tout n'est pas perdu. Ou alors, je vais dans les enfers. Tiens, pourquoi pas? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de retourner dans les enfers. Évidemment, bah oui. Voilà. Dieu ne peut plus faire la grêle, il fait la grève. Attends, j'ai un doute, mais j'ai l'impression que même le message n'est pas passé. Ah, peut-être que ça aussi s'est cassé. Et peut-être, hein. Le truc le message préfixé dans le Twitch. Je sais plus comment je l'ai programmé, ça. J'ai déjà oublié. Théoriquement, oui, c'est vrai que ça doit être la commande say. Donc, comme elle est plus reconnue. Ah, depuis Twitch, en fait, depuis le chat Twitch, c'est à nouveau cassé. Ah, je suis désolé. Oh. Je vais devoir me creuser la tête la semaine qui arrive. Ça va être chaud. Je vais perdre mes derniers cheveux, là. C'est... waouh. Ah bah ouais. C'est des sacrés défis à relever. C'est vrai, c'est vraiment bizarre. Pourquoi ils ont désactivé les... Ça m'intrigue. Ouais, ils ont levé mes pouvoirs, c'est un complot. Voilà, on a dû dire que j'en abusais trop. Oh, ça reviendra, je finirai bien par trouver la parade. Mais le problème, c'est que ça sera peut-être pas pour tout de suite. Mais tu sais que le sage, c'est pas facile pour moi. Depuis que t'as plus les pouvoirs, je me fais harceler par 11 cm. Il n'arrête pas à m'envoyer des messages. Je veux retrouver mes pouvoirs. Elle a ton pouvoir. Et il me l'écrit dans toutes les langues. Avec 11 cm. Aïe, aïe, aïe. Je lis mal, je dors plus et tout. Heureusement qu'il y a du 4. Mais demain, je sais pas comment je vais faire. Hein. Il n'arrête pas à 11 cm. C'est un harceleur. Je peux pas le ban, c'est un Komodo. Merde, il faut que je revienne. J'ai pas pris de briquet. C'est indispensable le briquet dans les enfers. Ça remplace les torches. Si tu mets tous les portails, t'es mal barré. En plus. Ça serait exactement. Dommage, blague. Ça t'est arrivé? Ouais. Par la blague, ouais. Non, moi, j'ai qu'une fois, j'ai eu le portail qui s'est éteint parce qu'il y avait un gaz qui avait tiré dessus. L'horreur. Et heureusement que j'avais un portail de secours un peu plus loin. Ouais, j'ai sûrement un briquet dans ma demeure toute proche. Et on va y retourner. Ah, merde, bah, décidément, les fonctionnalités dont je vous parle, cassées aussi, je suis désolé. Oh là 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 là. Bon, bah, ceux qui veulent s'amuser à interagir avec nous et qui n'ont pas le jeu, n'hésitez pas à passer dans le Discord, du coup. Aïe, aïe, aïe. Oh, bah non! Ah, les boules de neige. Ah, mais qui? Mais c'est qui est en train de m'attaquer comme un lapin, là? M'attaquer comme un lapin, oui. oui, parce que j'ai des flèches qui me tirent dessus. Mais c'est quoi la blague? Ah, le plastron en or. Mais oui, j'aurais dû m'occuper du plastron en or. Bah, j'ai bien fait de revenir pour pas attirer les autres. Mais j'avais un briquet ici. Bon, de toute façon, je peux m'en fabriquer avec un lingot de fer et un silex, mais quand même. Oui, je crois que je vais prendre cette solution, parce que... D'ailleurs, je vais en faire plusieurs sur place. Allez, hop, je vais en faire 8 d'un coup.
et je les déposerai dans le coffre à côté de... Merci pour les boules de neige, hein, en tout cas. Oui. Pour ceux qui m'ont envoyé ça. Mickey. Ah là. J'en ai un pour les boules de neige. Hein. Par contre, si je continue le raisonnement et que je prolonge mes optimisations du serveur Minecraft, comme maintenant il a basculé en mode modé côté serveur, ils sont pas nombreux, mais il existe des programmes, justement, des mods qui sont exclusifs au serveur, que vous n'avez pas besoin d'avoir, vous, côté client, et je ferai en sorte que ça reste le cas. Vous n'avez pas à vous prendre le chou à installer des mods, parce que c'est chiant côté client, pour l'avoir fait de nombreuses fois par le passé. Il y aura peut-être des petites fonctionnalités qui arriveront dans le futur, si j'arrive à dégoter et à installer convenablement des petits programmes additionnels, si vous voulez, pour optimiser l'expérience de jeu. Surtout les interactivités, comme j'essaye de le faire. Bien. J'avais dit que je retournais dans les enfers. J'ai pas pris le bon chemin. Je recommence mon truc de tout à l'heure. Là, je partais, je marchais machinalement. J'ai fait n'importe quoi. C'est une catastrophe. Ah, en tout cas, merci à vous d'être là. Tiens, je vois dans mes radars des spectateurs connectés les escadrons de robots. Je sais pas si tu les vois de ton côté, Funfan. Ceux d'hier, là, le Lucen Crown et le Notabot Def. Qui fasse. À part les mettre en utilisateur suspect. Non, mais on est d'accord, tu les vois toi aussi. Oui. Merci. Juste la confirmation, là, ça me suffit. Bon, hein. C'est pas mon logiciel qui bug. Non. Ça peut arriver aussi. Voilà. Ah, alors attends, oui, il faut que je réaménage mon... Hop. Là, je mets le briquet. J'ai fait la luminosité. Je me demande où es-tu, t'es parti dans les profondeurs. Alors moi, je me suis barré dans les enfers, carrément. Ah oui. J'ai changé de dimension. Question que je me pose, je sais pas si Nayona aura envie de nous rejoindre dans Minecraft là. Mais c'est bien, visiblement, il disait qu'il faisait son marmiton. Mmh. Oh mon dieu, il y a de la lave partout. Exactement, et c'est un sacré problème. Attends, là ça a l'air d'être une sacrée poche infernale de lave. Ah oui, là c'est une vraie. C'est une vraie de vraie. Burp. Re-J. Le Wormish Worms. Ou alors, avec un peu de chance, peut-être que Nayone voudra jouer avec toi, et Jay, c'est possible aussi. Enfin, s'il est disponible. Et...
Tu as écrit sacré fun fan. Ce fait. Ah non, putain. Ah, poupon. D'ailleurs, je sais plus qui est connecté. Nashevman et Dragon Sky, ok. Bidi bidou. Oui, donc dans 3 grosses heures, on fera le tableau mystère. Bon. Poursuit. Ah bah. Moi qui voulais atteindre une autre zone, c'est cool. Oh, puis bien. Elle descend proprement. C'est extraordinaire. Nickel. Le rêve. Ah, intéressant. Oh, des ressources précieuses. Attends, je vais allumer un peu là. Bop. J'ai présent encore un Enderman encore. Et ce moment, depuis, ça fait déjà plusieurs jours que je croise des Enderman. C'est un truc de fou. Hein. Mmh. Oui, on a une tripotée. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre moi à chaque fois. Et pourtant, je fais pas exprès de les provoquer des fois. Bah oui, en général, quand tu le provoques, c'est de manière accidentelle. Malheureusement, ça se finit mal, mais ouais. À moins que tu fasses ça de manière maîtrisée. Mais l'astuce, en fait, je vous la redonne pour... Oh, c'est nouveau, ça. L'astuce pour tuer un Enderman, comme ils sont grands, de 3 cases. Quand vous êtes dans un intérieur avec des portes, les portes sont hautes de la hauteur des personnages que nous incarnons, c'est-à-dire 2 cubes de haut. Vous provoquez l'Enderman et vous précipitez dans le dans l'encadrement de la porte, quoi. Et à bonne distance, vous pouvez patater l'Enderman sans qu'il puisse vous toucher, puisque lui, il va se cogner contre le chambranle, c'est-à-dire le cadre de porte. C'est comme ça que je les zigouille. Oh la vache, là où je suis, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, je suis dans un biome de cendres. J'aurais peut-être dû baliser mon... Dire que... je suis passé par ici. Voilà, je vais mettre une torche là. Voilà, comme ça on la voit d'assez loin. Et on comprend qu'il faut passer par en dessous. Alors là, plus tard... Alors je ferai... Je pense pas me lancer là-dedans aujourd'hui parce que... À diffuser, vous en tant que spectateur, c'est trop gnangnan. Mais l'idée de. Oh là, c'est mortel! Ça me fait penser au niveau de Tomb Raider 1, le fiston de Natla d'Atlantide qui fait du skate dans la grotte finale, dans la grande pyramide. Les fans de Tomb Raider, premier du nom, comprendront de quoi je parle. On se croirait vraiment dans Tomb Raider, là. C'est exactement la même. Alors, Edgy, quand même, de mon côté, je suis arrivé à démarrer le jeu. Il a l'air de marcher à part la souris qui, je sais pas pourquoi, elle est un peu chelou, mais c'est pas dérangeant. Ouais, tremblant. Mais le jeu ne me propose aucune fonctionnalité réseau. Ah bon. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai pas installé par Galaxy, parce qu'ils aiment bien, mais ouais, c'est grisé. Ah, c'est bizarre. J'espère que c'est pas GOG qui s'est amusé à désactiver les trucs réseau parce que sur... Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas cette texture. Je viens de voir une texture qui m'est inconnue. Si ça marche pas, je réinstallerai par Galaxy. C'est pas la même chose. Oui, la farce du gâteau devant Nashevman, c'était Poupon. Bon ben voilà, du coup là je me suis reposé un petit peu. Oui, Poupon qui a voulu aider Dragon Sky et du coup oui, ça fait le zouk. Ah bah non, ça marche. Bah, ton gâteau, on l'a vu. Ah bah ça marche. Bon bah c'est bien. Gâteau, bah oui, ça a marché. Bon, c'est cool. J'ai pas fait exprès en plus. Oui, mais c'est bien. C'est cool. T'es un très bon testeur, FunFan. Merci. D'accord. Bon. C'est cool. Donc vous pouvez le faire. Vous voyez l'exemple de FunFan avec son gâteau. Vous pouvez mettre mon visage pour ceux qui ont la chance d'être abonnés. Mais j'essaie de faire un truc pour les non-abonnés. Il faudrait que je trouve une autre émoticône. Je vais essayer de m'organiser. Tu peux mettre des emotes sans qu'on soit obligé de s'abonner. Hein. Oui, il y en a 5. Et justement, il faudrait que j'essaye de faire un... Promis, je vous fais ça la semaine prochaine. Pourquoi tu fais pas un déplacement, tout simplement? Tu la mets dans les non-abonnés, t'en mets une autre dans les abonnés. Ça éventuellement, ouais. Je vais prendre la moins populaire des abonnés... Enfin, pour tout le monde, je la glisserai pour les abonnés, et puis tant pis, quoi. Quitte à la remplacer plus tard. Que tout le monde soit content, c'est ça l'idée. Bon, après, je suis en train de m'avancer, je suis intrigué, mais je risque de mourir, là. Je rappelle que pour ceux qui sont non abonnés avec les points de chaîne, vous pouvez acheter des multicônes d'abonnés. Alors, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Waouh. C'est un espèce de village de sable. Tout ce qui me passe sous la lunette télescopique, c'est dingue. Bon allez, je vais revenir à mon point d'origine là parce que je vais pas. Mais je suis content d'avoir trouvé ce coin. Galaxie, ouais. Putain, je me loupe, je suis mort. Je fais une expérience, le sage. Ok. Je vais voir si ça marche. Attends, je suis... Attends, si je vais par là-bas, je vais où, moi? Oh, merde de feu. Parce que tu pars par Galaxie, hein, tiens. D'accord. Voilà, je vais juste voir si ça marche aussi. Est-ce que ça marche ou il faut que ce soit uniquement l'officiel? Ouh, on peut le dire, c'est chaud. Visiblement, ça ne marche pas, il faut que ce soit uniquement l'officiel, ok. Je me fais peur. Ouh. Alors. Faut que je le désinstalle par de la voie classique, c'est ça si je veux. Yeah. Ouais, essaye de l'installer par Galaxy. Donc faut que je le désinstalle dehors. Je déteste Galaxy. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans la construction d'une route ou pas? Bon, ok, on va le désinstaller. Je sens que je vais passer ma journée à faire ça, désinstaller, réinstaller. Ce que j'adore faire ça dans la vie, moi. Sinon, faudrait demander à Nayone, mais je crois qu'il n'est pas dispo. Il est en cuisine, Nayone, pour le moment. Ouais, pas de bol. Attends, j'ai un... J'espère que le chat de Nayone, sacré Réglis, il va bien, parce que hier, il s'étonnait que Réglis était étrangement bien calme, bien posé. Espérons que c'était pas annonceur d'un mal-être ou d'une maladie du chat. Les chats, ils ont tous leur période. Ils sont bien, ils sont pas bien, ils ont leur période, c'est tout. Ma minette, c'est pareil. Comme les humains, je te répondrais. Mais oui, tu as raison. Ah, c'est comme ça, tu le vois. Alors, faut du coup prendre du temps pour que je le réinstalle, tu sais. Ouais, y'a pas de soucis. Worms. Ah bah oui, donc c'est dans le jeu possédé, c'est normal. Worms. Pourquoi tu me proposes que Galaxy? Voilà.
Installe, crée un raccourci sur le bureau, garder les mises à jour, oui, oui, oui. Du coup, là, c'est... Là, du coup, je vais faire juste une petite pause, là, du coup. Hein. Oui, y a pas de souci, tu repasses quand tu veux. Voilà. Bateau. Donc, quand il est installé, je te le dis. Je bois un petit coup. Donc toi, t'es par galaxie et t'as directement le multi, en fait, si j'ai bien compris. Bah ouais, c'est pas grisé. Ouais, bah je vais essayer. Sinon, c'est que le jeu détecte pas mon réseau, parce que moi, avec les Worms, hein, j'ai des problèmes de réseau. Hein. Oui, oui. À Armageddon, j'avais des problèmes déjà, alors... Je me vante. Oh, Poupon nous a rejoint. De quoi tu te vantes? Que t'as pas de problème avec le réseau? Ah oui. Non, moi je me vante d'être connecté à tous les chats. Le jeu, Discord et Twitch en même temps. C'est la classe. Bah. Donc, test 1 n'est pas passé. Donc, modifier une multicon ne marche pas. Donc, ouais, il faudra que tu le mettes gratuit. Donc, ça marche pas. Passé. Poupon s'est connecté et il a été éjecté juste après. Dis-nous s'il y a un problème, Poupon. C'est trop bizarre. Les Bretons en colère sont pas les bienvenus. Ah, c'est parce que j'étais dans le lit. Ils voulaient se déconnecter pour faire passer la nuit. Non, c'est bon, c'est gentil. La nuit, elle est passée. Merci, Poupon. C'est ça, je viens de comprendre. C'est Poupon qui est adorable. À mon avis, il a fait ça délibérément. Reviens, Poupon, reviens. Tu peux revenir. Le même à la maison. Je viens de piger. Eh, pas mal, alors. 97% de nature. Ah, chaton pour cent. Qu'est-ce qu'il fait, le chaton? Il bouge, il hoche de la tête. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? T'es pas content, le chat? Ah! Bah tiens, comme je suis mon Underman. Je me mange le cadre de la porte, le chimbranle. Non, je me suis gouré de serveur, en fait. Mais je suis quand même adorable, hein. Elle est bonne celle-là! Excellent! Ah, génial! Oui, t'as raison, Poupon qui joue sur son propre serveur, il a bien raison. Ah, elle est géniale! Tu vois, celle-là, je m'attendais pas à ce qu'on me la fasse! Ah, elle est bonne! Excellent! Je comprends mieux! Je vais passer dans une vocale avec AJ parce que sinon ça va être. Faut bien se concentrer. On passe dans le universel, on reste ici. Ouais, ok. À tout à l'heure, les garçons, à plus. Merci pour tout. Bon jeu à vous. Merci. Oui, c'est bien, c'est multi-jeux. Tiens, d'ailleurs, je me marre tellement du coup de Poupon que je retourne dans les enfers, mais j'ai pas pris ce que je voulais prendre. J'aimerais prendre de la roche classique, en fait, pour commencer à faire une route, en fait. Tracer ma route dans les enfers. Et je vais prendre de la roche classique, parce que comme il y a ça à foison... non, je crois pas que j'ai de roche. Rejoindre dans le Nether. Ah, ok, Nash. J'ai retrouvé. Mm-hmm. Un passage. Mm-hmm. Je réfléchis. Ouh. Je vais peut-être m'établir une petite norme de luxe dans les enfers. Si je prenais que de la roche cuite. Parce que j'aurais gain d'expérience en l'ayant fait cuire. Ça, entre guillemets, ça m'obligerait à faire tourner régulièrement et à utiliser le... Pourquoi pas. Ah oui, bah non, je suis un ego. Du coup, il faut pas que je prenne ça. Faut pas que je prenne ça, mais... Est-ce que j'ai déjà de la pierre bien polie, bien cuite? Bon, là, j'ai la pierre taillée, mais je pensais pas à la pierre taillée. En fait, il y a ce problème quand même que je télécharge de Galaxy ou autre. On verra ça avec Nayone parce qu'il s'y connaît un peu en réseau plus que nous. Quoi. Bon après-midi, bisous, Poupon. Merci, bon direct. Oui. Et vive les Bretons en colère. Merci d'avoir été là, Poupon. Bon jeu à toi aussi de ton côté, t'as bien raison. Les Bretons, ils aiment Carole Quinten.
Je veux savoir. C'est pas une question. Et est-ce qu'ils connaissent les hautech? Oui, bisous à Poupon. Elle est excellente celle-là. Ah. Ouais, allez, finalement, je vais prendre la pierre taillée, là, comme le mur auquel je fais face. Et je vais peut-être faire mes chemins comme ça. Dans les enfers, pourquoi pas. Bibliothèque. Que j'ai toujours pas vu. Sympa, il y a Torota qui m'a parlé d'un diffuseur Twitch que je connaissais pas, que j'ai noté et que je regarderai à l'occasion. C'est quelqu'un qui répare en direct des ordinateurs, mais des vieux ordi, mais pour les donner. Il les cède à des écoles qui ont pas les moyens, des assos, voire des nécessiteux, enfin des personnes qui sont dans le besoin, comprenez. Il faudra qu'à l'occasion je jette un coup d'œil. De là de tête, je pourrais plus vous dire le nom de la chaîne, je suis désolé, je l'ai pas mémorisé, mais je l'ai bien noté. Donc il est possible que je vous en reparle dans les semaines à venir aussi. Je vais m'intéresser à ce canal, j'ai bien aimé le principe. Je trouve ça classe. Ben oui, mais non, oui, je suis obligé de... Ouais, je vais faire comme ça. Bon allez, je vais commencer à me baliser des routes. Alors, ce soir, il va falloir que en privé, hors direct, mais je me force à mémoriser pour pas me louper dans l'agenda de tête au niveau des loisirs. Ce soir, il faudra que j'aide Edge à qu'il apprenne comment on fait pour vendre ses petits, ses doublons dans son inventaire Steam. Et demain, je vais possiblement aider à distance de l'ami Dragon Sky pour essayer d'optimiser sa chaîne Twitch. C'est-il pas un beau programme ? Alors attends. Parce que j'arrive de là-bas. Ouais, j'arrive de là. Léotech a inventé le disco. Oui, bien sûr. Ah mon dieu, il fait des soirées chez Boris. Mais c'est génial. Je sais pas si certains d'entre vous... Enfin, moi, je crois que je l'ai trouvé honteusement sur Internet. Parce que tout se trouve quasiment sur Internet. Mais... l'album de Boris, Soirée Disco. Il y a une chanson qui est délirante quand il raconte un manège qui déraille. Et, ah, c'est horrible. C'est drôle et horrible à la fois. Je vais faire comme ça en attendant, quitte à changer plus tard. Tac, tac, tac. Oh oh, monsieur l'homme cochon, là, il va me déranger. Alors... Le sage, est-ce que je t'ai raconté que j'ai arnaqué une fois, enfin, arnaqué, que je suis arrivé à me sortir d'une situation compliquée avec une professeure de français? Alors là, je veux bien que tu me la racontes parce que ça ne me dit rien du tout. Oui, alors, en fait, l'histoire est que j'avais une prof de français qui était pas très douée en informatique. Elle avait un certain âge. Oui. Et donc, on devait faire un exposé sur je sais pas quoi et faire des recherches internet. Et donc, c'était à l'époque de Windows XP, j'avais deux onglets, tu vois. J'avais un onglet sur le catch. Et j'avais un onglet, tu vois, sur les recherches. Et donc, elle me voit en train de regarder du catch, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais, fan ?» Donc, moi, je switch d'onglet. Et je fais « Bah, madame, je suis sur le cours de français, vous voyez bien. » Elle me fait « Fais retour arrière. » Du coup, je fais un retour arrière. Elle me fait « Fais un autre retour arrière. » Je fais « Vous voyez, madame, je suis arrivé à fond des retours arrière. » Elle fait « Bon, bah, ça va, j'ai cru rêver. »
Elle avait pas vu qu'en fait, il y avait juste à côté marqué catch la biographie de je sais plus qui. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Non, non, tu me l'avais pas raconté celle-là. Ouh, il est pour moi. Le cube de magma, il m'a repéré. Chez la guerre. Merde, j'arrive plus à faire des captures d'écran. Chez la guerre. Les mêmes anecdotes. Non, mais voilà. C'était rigolo de se dire qu'en fait, il fallait juste regarder là et qu'elle avait pas fait attention. Oui, t'as filouté, ouais. Après, je pense pas qu'elle m'aurait puni parce qu'elle était pas comme ça, mais bon. Il est un petit peu quand même fait, il est un petit peu filouté. Non, moi j'ai une petite anecdote similaire quand j'étais étudiant en informatique en BTS. En fait, notre salle de cours, on avait les ordis sur les côtés, donc en U dans la salle. Et quand le prof faisait cours, bah, on était au centre, et voilà, positionné vers le tableau. Et une fois, j'ai fait une bêtise. À l'époque, on devait avoir des... Est-ce qu'on avait Windows XP ? C'est même pas sûr. C'est pas dit qu'XP était sorti quand j'étais encore en BTS. C'était peut'être 98, 2000, je sais plus. 98. Ou 2000, ouais. Tant que je dise pas de bêtises... ouais, ça devait être 2000, Windows 2000, t'as raison. T'as raison. Et j'avais programmé en fait une vidéo, mais petite, de moins d'une minute, en fond d'écran Windows. À l'époque, tu pouvais faire le gadget là, au lieu d'avoir une image ou un diaporama. Le problème, c'est que j'avais très mal programmé mon truc, et comme un ego, en fait, en fond d'écran, j'avais la vidéo qui tournait en boucle, et il voulait plus passer en veille, l'ordi. Donc j'étais très emmerdé, j'ai dit merde, il faut absolument que je regagne pendant le cours mon poste et que j'éteigne l'écran parce que ça déconcentre à mort. Et bon, ce que j'ai fait, hein, je me suis exécuté dans les premières secondes quand j'ai vu ma bêtise. Et ça m'avait mis dans une gêne en me disant, oula, le prof il va voir ça, il va m'engueuler. Et coup de bol, il avait pas fait gaffe quoi. Voilà. Heureux. Heureux, Dragon Sky. Je sais pas si... Non, je pourrais pas écumer le lac de lave. Alors, peut-être que je le recouvre et que je fasse des barrières, éventuellement. War Z. Ouais. Alors, attends, je vais faire ça, moi. Bah, la nuit, elle tombe déjà. J'ai un peu de sortir, il fait déjà nuit. Et sinon, une autre anecdote, je sais pas si c'était avec la même prof, mais j'étais sur toujours avec le catch, j'étais sur la biographie d'un catcheur et j'étais sur sa bio Wikipédia. Le problème, c'est que il était torse nu, en slip, et du coup, la prof, elle a cru que j'étais sur un site gay. Ah bah. De rencontre. Eh ben. Wadi, qu'est-ce que tu fais? On va pas sur ce genre de site. J'ai demandé à ceux qui gèrent l'informatique d'interdire ça. Qu'est-ce que tu peux en privé, mais pas. J'ai dit c'est Wikipédia. Wiki quoi? Elle ne savait même pas. Ah bah oui, quand des gens ils savent pas c'est quoi Wikipédia, oui c'est sûr. Moi j'étais encore à l'époque où on nous interdisait pas d'aller sur YouTube. Des fois c'est interdit, des fois c'est autorisé selon les collèges, les lycées. Moi à ma connaissance, quand c'était les écoles et collèges qu'on avait internet, ben c'était filtré. Tous les sites web, ils étaient filtrés. Ouais. Un blocage spécifique au niveau de l'informatique des ports ou des réductions de services, voilà. On pouvait pas accéder à certains sites. Bah, une fois j'ai tenté marquer juste YouTube, YouTube me disait non, désolé, ça marquait impossible d'afficher la page web, simplement. Mais pas un code d'erreur, genre un code 5000 ou un code je sais plus combien. Voilà, là je suis pas tâté. Moi, il y a quelques jours, j'ai fait ce qu'ils appellent le Pix. C'est on va dire une formation informatique, mais apparemment c'est pour que certaines écoles nous acceptent, mais finalement ça sert pas grand chose parce que quel pourcentage d'élèves vont faire ça pour aller dans l'informatique, surtout ce qu'on est
sais pas, très peu. Et en fait, moi, bah, les questions, bah, c'était assez simple, ça va. Mais je suis allé sur YouTube, je me suis mis de la musique et j'ai fait tout le truc avec de la musique sans que personne ne s'en rende compte. J'avais le YouTube à côté. Oh punaise, oh, j'ai tout perdu. Personne s'est rendu compte de rien. Mmh. Et j'ai fait bon bah allez, hein, parti. Et malade, et là. Après j'ai c'est que perdu. De la musique, c'est rien. J'ai tout perdu, l'expérience, tout. Voilà, alors. C'est pas de la triche, c'est une musique. Mmh. Ouais, ouais, non mais malin, malin. Non mais en même temps, faut pas trop dénier la formation là que vous êtes en train de recevoir pour l'informatique, EJ, parce que comme l'informatique est en train de devenir vraiment universelle, même à des postes de travail qu'on soupçonnait même pas que l'informatique allait se pointer, quoi. Même en tant que citoyen, tu sais, le fait d'être à l'aise à faire soi-même sa déclaration de revenus en ligne, ne serait-ce que ça, par exemple, c'est à pas négliger. Ouais, j'ai même eu un article qui m'est passé sous le nez, c'est-à-dire que le gouvernement, avec le ministère de l'Éducation nationale, est en train de se mettre à jour par rapport aux exigences de demain, on va dire, de savoir maîtriser un minimum en informatique. Au niveau du tronc commun au lycée. Ah bah il est bien lui. Pas mal. Bon, j'ai pas assez de roche mais taillé, mais la route est sympa. Alors le pire. Oh oh, tu t'es frotté un cactus, mon pauvre. On va dire aïe aïe aïe. C'est ça. Oui, je l'ai fait exprès parce que pour Zur, voilà. Ah. C'était un peu pour le fun. C'était fait pour le fun, voilà. Le monde entier est un cactus. Mais il y a plein de zombies et tout, et c'est abusé. Oh non, franchement, je deviens fou, tous les zombies, là. Bah, t'es en début de partie, t'as pas d'armure. Ah, j'ai rien du tout pour me défendre. Ça viendra. Faut y aller progressivement, mais ça viendra. C'est sûr, le début, c'est frustrant. Tu te fais molester, tu te fais exploser. Mais une fois que t'arrives à avoir ta première armure de diamant enchanté, ça devient... À moins d'être suicidaire et prendre des risques comme moi, là, actuellement, dans les enfers, effectivement, tu peux... T'hypothèques, en fait, ton confort. Parce que la moindre faute, tu perds tout. Généralement, quand tu meurs dans les enfers, t'en reviens pas. Tu perds tout ton matos dans la lave. C'est le grand classique. Où est-ce que je pourrais retrouver encore de la pierre taillée, moi, toute proche? Je rigole encore du coup de poupon qui se connecte accidentellement sur mon serveur au lieu du sien. Ah, j'adore. Ouais, oui. Ah là là. Je pense qu'il y a tout le monde dans le chat qui a dû rigoler. Ah, il a fait exprès de se manger un cactus. Je sais pas. Mais peut-être. Ah, ouais, ben moi je peux pas m'endormir c'est parce pas que grave, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi je marque ma position. Ah, oui, oui, je sais parce que. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait au moins la majorité au moins. Même pas. L'intégralité, tout le monde. J'ai pas trouvé. J'ai regardé, figure-toi, tu fais bien d'en parler là aussi. J'ai regardé encore hier soir quand je bidouillais les fichiers pour essayer de résoudre mon problème là de il n'y a plus de mode dieu. Carillon. Oui, moi aussi j'ai entendu moi mon petit coucou dans mes oreilles. Et 17h. Un jour j'envisagerai de changer ça aussi pour mettre des sons de cloche aussi évidemment. Et je conserve le fichier en sauvegarde, c'est le fichier originel. T'as pas besoin. Dans Westbot, t'as un bouton prédéfini, réinitialisé, et tu retrouves le son d'origine de Westbot. Là-dessus, d'accord. T'as pas besoin de faire la manip là. Ah bah quand ça, j'apprends. Bah quand ça, j'irai me coucher moins bête. Voilà. Je te montrerai demain soir, quand je serai connecté à distance pour t'aider. Je pourrais t'apprendre 2-3 trucs. Je disais, j'en ai profité pour regarder justement si je pouvais trouver cette fameuse option de dire on change le quota de joueurs endormis pour faire passer la nuit, mais je sais même pas si elle existe. Léothèque à Funfan. Léothèque à Funfan.
Ah ben, justement, en parlant de Léothèque, eh ben, il vient chez moi dans ma région, il vient chez nous dans notre région Grand Est, précisément. Qui est bien. Il sera là, il sera à une convention à Épinal, je crois, le 26, je crois, samedi prochain. Dans les Vosges. Ouais. Bah oui, très bien, ça. Oui. Léothèque. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, je dis, oh là là, monsieur Canard qui est là. Ah, moi ça me bouge en coin. Tu crois qu'il va rencontrer monsieur Banane? Ah, je sais pas, peut-être. Moi, je suis dans les prairies entre les ennemis, je suis en train de les esquiver au maximum que je peux. Ça, c'est un sport. Une banane qui rencontre un coin, je sais pas ce que ça donne. On veut pas savoir, c'est indécent. Non, on veut pas savoir du tout. Oh. Bon, bah c'est pas mal. Là, je suis dans le désert avec les cactus. Quand t'es dans le désert, fais gaffe de pas te paumer, Dragon Sky. Ça me risque pire parce que j'ai pas de boussole, j'ai rien, j'ai pas de carte. Ben, je suis à la bête. Si tu veux voir les coordonnées en direct de là où tu te trouves, tu fais F3, la touche F3. Ouais. Et tu vois tes coordonnées X, Y, Z. Tu sauras que si tu veux retrouver la civilisation, essaye de joindre le point 0. Alors avec l'altitude, c'est 64 le niveau de la mer, ça donne 0, 64, 0. 64, 0. Si tu veux, t'ignores le nombre intermédiaire puisque c'est l'altitude. Donc 0, 64, 0, tu vas rejoindre le point 0 et la civilisation. Quand tu es sur ce point, je t'affirme que tu vois mon phare à la côte, le point d'apparition. C'est pour ça que j'ai fait le phare à cet endroit-là. C'est pour qu'il soit point de repère. Là, je suis en train de m'approcher, je descends 650. Je suis en train de descendre. N'importe quoi, les sottises qui passent en direct avec FunFat, c'est énorme. J'ai retrouvé un petit peu de civilisation, ça y est. Ah, tu vois? Ouais. Bon, ça affiche tous les détails du jeu, donc ça fait un peu moche, mais bon, c'est le prix à payer, comment dire, en guise de repère. Bonjour! Ah, bonjour Nayone, comment ça va? Bonjour Nayone. Ça va? Salut. La cuisine était bien. Alors j'ai posté dans mon essai, c'est un essai de nouvelles recettes que j'ai essayé à base de lentilles. Oh. Et du coup j'ai posté ça sur Discord. Voilà. Ah mais qui? C'est gentil. J'aime bien les lentilles. Il faudra que j'essaie. Il y a de l'écho Nayone. Ah, il y a de l'écho. Ouais, je sais. Un petit peu. Voilà. Mais c'est pas si grave. Voilà, c'est bon. Et... Voilà. Mais quand on regarde la photo, on se dit, oh, c'est pas terrible en fait. Mais en fait, c'est bon au goût. Mais ça a besoin d'être perfectionné, évidemment. Mmh. Donc je l'écris. Alors, il y avait une question pour Nayone. Oui. Est-ce que tu as Worms 4 ou tu ne l'as pas? Alors, Worms 4, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. C'est pas le jeu de golf là, Worms Ultimate Mayhem? Non, c'est. Oui, c'est Mayhem. Oui, c'est Worms 4. Ouais, c'est gelé, ouais, je l'avais installé, oui, je l'ai gelé. Alors moi j'ai pris la version de GOG, mais les parties réseau sont grisées, je sais pas pourquoi. Hein? Ah bah je sais pas. J'ai fait une expérience avec Edgy et c'est tombé à plat. D'accord, ok. Il faudra que je vois avec toi si on peut remédier à cette situation. Oui. Sinon il y a des moyens qui claquent, mais on en parlera en scène. D'accord, merci, j'ai mis en pause le truc. Oh la vache. Ouais, des moyens qui claquent mais qu'il faut pas dire, voilà. Ok. Merde! Oh non, mon bloc est... Oh, j'irai pas le chercher. Ah, il est trop au fond, il est tombé trop bas. Hein. C'est ça. C'est trop périlleux. Ça aurait été un cube en diamant, je dis pas. Mais... C'est tellement magnifique, j'ai trouvé des chevaux sauvages. Oh, Réglisse! Ah, Réglisse, il court là, il est son quart d'heure de folie. Non, mais t'inquiète pas, en fait, le sage, il va bien, Réglisse. Il est comme disait FunFan. Miaou! Ouais, des fois, il y a des moments où il est calme, des fois, il est pas calme. D'accord. Et des fois il mange moins, des fois il mange bien. Il a bien mangé sa viande ce midi, ce matin. Moi je m'inquiète pas parce que Minette elle est comme ça. Et il y a eu d'autres questions qui ont été abordées mais j'ai pas entendu.
On l'entend bien. Miaou, miaou, il est pas content. Hein. Ouais. Il est encore coincé dans la machine à laver. Bah ce matin, ils sont encore coincés dans la douche. Ah ouais. Ah merde. Mais bon, tant pis. J'attendais, je le regardais, je dis bah libère-toi, tu sais comment on fait pour ouvrir la porte. Hein. Et au bout de 5 minutes, j'ai libéré. Bao, bao. C'est quand même le plus futé. Hein. Ouais. Ou alors c'est malin, il veut que j'ouvre la porte. Hein. Il veut que je, voilà, que je l'ouvre la porte. Parce que... ouais. Putain, on dirait presque un escalier naturel. C'est tellement plus comment attirer l'attention de Mayoné qui fait exprès de se coincer. Et là, il fait pas idiot. Il y a un méchant au fond, le sage là, c'est ça? C'est un cube de magma. Non, mais le truc rouge, c'est pas une tête? Si, c'est un ennemi. C'est un cube de magma. C'est l'équivalent infernal des slimes ou gélatineux, comme j'aime les appeler, dans le monde normal, et qui présente tout vert, tu sais, pour faire les pistons collants. Donc quand tu lui fais des caresses, t'as la brûlure au troisième degré sur toute la main, quoi. C'est ça, exactement. Bon, bah, je suis arrivé au point zéro, mais ça m'aide carrément, carrément en pleine mer. Oui, c'est normal, mais tu vois mon phare, normalement. À moins que tu aies une distance d'affichage très faible, tu devrais voir mon phare. Je suis mort de trouille dans ma situation, parce que il suffit qu'il y ait un ennemi qui décoche une flèche, ou pire, un gaz qui se pointe et qui me tire un boulet de feu, je suis mort. Je tombe dans le vide, je suis foutu. Bah, t'as vu ce que je fais ? Oui, je sais. Ah oui, tu prends un coup et ça te bouge, ouais. Ah bah, tu mets. Même avec mage ? Même avec mage. Oh, le bloc qui sera à côté de moi et autour de moi vont gicler quand tu connais la puissance de feu des ghasts. Miaou. Mia, mia, mia. Mais vous savez que c'est... Salutations. Dans les nous avons le plaisir d'accueillir Miaou. Dans les vocales, allô. Dans les veaux. Dans les veaux. Dans les vocalises des chanteurs, chanteuses, lorsqu'ils chauffent leur voix. Ils font des miaulements. C'est ça. Miaou. Bah, l'opéra, c'est un peu égorgé des chats, quoi. Je veux pas dire, mais... C'est ouais, ça, quoi. Ouais. Mais bon, il y en a qui apprécient, d'autres qui sont là et qui supportent pas, qui croient entendre des miaulements de chiens. Ah, en parlant de chiens, j'ai posté un truc sur le Discord. C'est une mini vidéo de TikTok que j'ai vu ça, c'est à mourir de rire. C'était par rapport sur un jeu vidéo. Oui, j'ai vu que tu l'as posté, mais j'ai pas le temps de la regarder. Mais je me ferai une joie de regarder tout ce que vous déposez. Je regarde en semaine. En général, je vous mets un petit smiley pour dire j'ai vu, j'ai bien aimé. Oui, pour ma réaction. Je l'ai posé un peu partout, un peu chez tout le monde. C'est gentil, merci du partage. Ensuite, le sage, tu mettras bien des barrières de sécurité le long du passage. Il faudrait, ouais, il faudrait. Après, en appuyant sur mage, c'est tranquille. Bah, l'idéal, plus que les barrières de sécurité, c'est de faire un vrai tunnel, mais en verre, qu'on puisse voir sans être exposé. Ah, oui, mais... Les ennemis peuvent tirer sur le verre. Oh non, quand t'es à travers le verre, tu es comme derrière un mur, ils te détectent pas. Ah, c'est marrant le truc qui se paraît en crêpe, quoi. Une couche de crêpe. Et là, j'ai récupéré un peu de crêpe de magma, j'en ai eu un. Bon, je vais pas tous les faire, mais... Ah, ça se divise. Ouais. Et pour que du magma, il faut bien la refroidir avec de l'eau, non? Je pourrais pas dire... Je pourrais pas dire. On peut pas la récolter avec des outils, avec des simples outils. J'ai pas écouté, de quoi? Je disais que pour occuper des cubes de lave, il faut bien refroidir avec de l'eau, non? Non, tu prends un seau et tu récupères la lave. Ah bon? Tu parles bien de la lave, enfin le liquide. Ouais, le liquide. Ouais, c'est ça, ouais, tu prends un seau. Le magma en fusion. Et après, si tu veux
le durcir, ben, soit il est en mouvement, ça te, tu mets un seau d'eau et ça fait de la cobblestone, enfin de la pierre. Soit c'est un lac qui bouge pas, enfin il n'y a pas de mouvement comme s'il suivait le cours de. Comme un fleuve, et ça devient de l'obsidienne. Ah, il y a un monstre, c'est ça le sage? Non, il y a de la lave. Ah. Attention, hein, attention. Attention, ça brûle. Mmh. Oh là là là, vite le réflexe. Oh là là. Comment te sortir, te dépêtrer de ce problème? Bah, il est parti. Il est parti avec un simple briquet, du coup, voilà. Il est dans les enfers quasiment. C'est ça. Au plus profond de la terre. Alors, d'où vient la lave? Je m'en souviens, quand j'étais gosse, j'avais regardé Voyage au centre de la Terre. C'était pas mal. Hein. Ah, le cube émetteur est là. On n'en parle plus. Ah si, ça recoule. Oui, je maîtrise. Tu devrais me tremper les pieds dedans. Alors là, va y avoir un virage. Hein. Je vais pas en face parce que je vais dans le néant. Il y a des cubes de magma partout. C'est beau et effrayant à la fois. Pourquoi je vois des champignons là-bas? Il y a l'air d'avoir un truc isolé. C'est trop bizarre. Toi, va-t'en. Bouh. Je veux pas te voir, les cubes de magma. Bouh. Tu m'approcheras pas. Bep. Bep. Voilà. Ah! Il m'a fait peur, pardon, j'ai crié parce que j'ai pas vu le petit cube de magma qui m'a eu. Excusez-moi, je me suis fait peur tout seul. Lol, j'avais compris le petit cube de magma. Oh, il y a de ça aussi, peut-être qu'il me tournait le dos, je sais pas, mais... Oui, peut-être, oui. Oh là là... Là, je vais faire un virage, là. Je vais pas aller dans le néant, je sais même pas où est-ce que je vais. Il va y avoir un virage. Reste à savoir si je vais choisir la gauche ou la droite, mais... Je vais peut-être choisir la droite. Oh, c'est quoi? C'est une structure intelligente derrière ou pas? Pardon, faut que je vous lise un peu dans le... Oui, question fan en direction de Christella. Comment va ton mal de tête? Tu te sens mieux? Oh, j'ai vu quelque chose qui a bougé. Faudrait pas que je me fasse dégommer. Ah oui, c'est des petits champignons dans la cendre. Si je vais là, est-ce que c'est intéressant? Pas sûr. Et si je vais par là-bas? Oh, je suis sûr de rien. Zidane aussi a mal à la tête depuis 2006, mais qu'il est con. Il a une migraine Mazzerati là, je sais plus comment il s'appelait le gars. Vaco Materazzi. Ouais. C'est une blague pour réduire ça. Ouais, Marco Materazzi. Ah, ça détecte automatiquement Léotech a inventé le disco. Bon, mais... Oui, tu disais, Jeff. Marco Materazzi avait clairement insulté Zidane et sa famille. Zidane ne l'a pas frappé pour rien. Un peu mieux, merci. Je vais d'ailleurs me faire un kawa. J'espère qu'il l'a bien senti sur la poitrine. Ah bah, bon petit café à toi, Christella. Ouais. Là, ça n'apparaît pas dans Minecraft, si? Mon message. Si, ça apparaît. Bah sûr que si, Nayane. Si ça a fonctionné, ça a marqué un truc, ça s'est affiché. On a vu ton nom, mais c'est quoi, c'est où et quand, pourquoi et comment. si, on l'a vu. Ok, c'est sympa le truc. Oui, l'intégration fonctionne très bien. Il faut juste que je rétablisse le reste, mais je vous tiendrai au courant, vous en faites pas. On va faire un duel Discord Twitch. Pourquoi? Oh, ah. C'est Mimi, comment qu'il a miaulé? Bah, il vient de me donner un petit coup. Bah oui, réglisse. Allez, va t'amuser.
Je suis chez quelqu'un, je sais pas qui. Ah, faut sortir pour rentrer chez les gens comme ça. Hein. non. Non, parce que je suis en train de voir que je vois qu'il y a des lampes torches qui a été posée. Je pense qu'à mon avis, il y a de la civilisation pas loin. Mmh. Et en général, quand je mets référence aux torches, oui ou non, je sais plus. Ah, bah, okay. La roche noire, elle m'intéresse. Je connais pas cette matière de la dite roche noire. Elle est différente de celle de notre dimension normale. Ça m'intrigue. Par contre, pour la récolter, faut faire gaffe. Extraordinaire. Oh. Je découvre, hein. C'est des textures. La dite roche noire, je connaissais pas du tout. Allez, il faut le savoir. Je me laisse émerveiller par. Oui, non, comment, pourquoi? Les pauvres, on est en train de se faire un chat dans le chat. Une panthère, il a bouffé le facteur. Mais ça n'apparaît pas ce que t'as mis. Il y a le message, il faut savoir qui a écrit ça. Je vois pas dans le. Si ça apparaît sur le Discord. Live. Ça apparaît sur le live. Ouais, mais peut-être dans le Discord. L'intégration n'est pas faite des deux côtés dans les deux sens. Si, si. Bah, attends. Je l'ai pas dans le chat Discord. La phrase qui est tapée avant que je tape la panthère. Ah, j'ai une boussole. Mais si non, ce que tu écris sur Discord reste sur Discord. Il apparaît juste sur le retour du jeu, c'est tout. D'accord, oui, mais ce qui apparaît dans le retour du jeu, ça n'apparaît pas dans Discord. Si, c'est bidirectionnel. Ça marche dans les deux sens. Bah, y a quoi au-dessus de Réglisse n'est pas un chat? Oui, non, oui, non. Ah, non, ok. Oui, okay. Et je sais plus. Regarde. Ok. Okay, j'écris okay. Un message dans Minecraft. Je fais c'est rigolo. Là, je saisis ouais. Dans le chat du jeu, c'est rigolo. Et bah, tu vas voir mon Twitch. Portrait dans oui. Discord avec c'est rigolo. Oui, c'est... mais je comprends que le chat de Twitch, il faut savoir. Ah, mis, oui, d'accord. Alors, là, peut-être que plus tard, sens. J'arriverai à rendre bidirectionnel entre Twitch et Minecraft. Tridirectionnel. C'est pas encore le. Oui, ou quadri. Enfin, la totale. Un jour, okay. Peut-être. C'est pas impossible, hein. On rigole, mais techniquement, ça devrait pouvoir se faire. Alors, ok. Excusez-moi, je vais vous laisser, je reviens d'ici à quart d'heure. À tout à l'heure. Amusez-vous bien, à tout de suite. Oui, enfin, merci. À tout à l'heure. D'ailleurs, moi, je vais faire comme Christella, je vais me resservir un kawa. Pardon? Excuse-moi le sage. Non, mais y a pas de mal. Je disais que je vais faire comme Christella, je vais me resservir un kawa. Donc je m'absente deux petites minutes, à tout de suite. Voilà, je vais faire ma petite blague. Le temps que Réglisse passe à la casserole. Il faut que tu rajoutes le petit logo hein, du sage message, sinon ça marche pas. Enfin si, ça marchera, mais que pour Discord. Et ça marche avec le Discord. Ah oui, je vais faire. Oui. C'est intelligent ce qu'il a fait, le truc de mettre... de mettre le chat textuel pour ceux qui n'ont pas Minecraft, comme ça on voit les bêtises sur le dans quand c'est via Discord, on voit les bêtises. Ouais, les bêtises écrites. Comme ça il y a des traces, voilà. On peut pas dire ah l'autre il a dit ça, ah ben si on voit tout, on est fliqué, voilà, on est fliqué. Justement, c'est ça. C'est ça. Non, j'en ai ras-le-bol de ces dauphins, là, comment là. Barrez-vous. Ah, les dauphins, oui, j'en ai croisé peut-être un ou deux tout à l'heure. Ouais, ils sont chiants. Oh là, ouais. C'est elle, je Torat
Torata, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Torato, je suis désolé. Torata, voilà. Toyota, on a Tomate, on a fait tous les noms. Oui, voilà, c'est ça. Non, tu peux... Alors, oui, ça doit être réparé, mais tu peux influencer, pas prendre le contrôle du stream. Tu peux envoyer des messages, faire tomber la pluie, envoyer des zombies, des bonus et des malus. Et tu peux pas influencer le jeu totalement. Oh, merci. Voilà. 64 lingots de fer. Oh, des torches. Ben merci. Là, hein. Ah, il y a un truc qui s'appelle tête de dragon. C'est possible. Oui, ça viendra, les têtes de dragon. En fait, j'avais vu qu'on peut avoir en trophée, et ça fait un ornement. Oh! Oh, débloque d'issue des océans. Merci, ça m'a débloqué une nouvelle recette. Merci, Funfan, oh, c'est généreux. Putain, je l'ai pas vu. Non, j'ai d'inventaire plein. Non, ils sont là. Ah ouais, alors ces blocs-là, c'est super. Ravi. Débloque des océans, c'est plutôt rare, ça. Oui. Bah, ouais, faut surtout batailler pour les avoir. C'est Funfan qui régale, c'est beau. Ouais, c'est la brise marine taillée. Je déconne en de prendre la place du sage pour streamer. Ah. Mais hé, ça m'a débloqué des nouvelles recettes. Pause, pardon, je rebondis sur la remarque de Torota. Vous savez que sur Twitch, vous pouvez partager votre canal de diffusion. En fait, il y a une option, quand vous regardez bien dans la coulisse, vous pouvez donner votre clé d'accès carrément au signal à des personnes évidemment de confiance, mais Twitch le propose. Vous pouvez faire un canal collectif en disant qui prend le contrôle, c'est possible. Christella, elle va faire ça avec Nash. Non, je contrôle rien du tout. Oh, tu fais la modo. Et on peut pas cuire les œufs. Faut déjà que j'arrive à modérer un peu plus, ça pourrait être bien. Alors, effectivement, je crois qu'on peut pas cuire les œufs. Ouais, c'est ça qui est dommage. Pour faire des omelettes. Et pourtant, ce serait pas difficile à programmer, je pense. Mais non, ils ont jamais intégré l'idée de manger des œufs en omelette. Oh, dis donc, t'es généreux, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, des cheveux rouges, je me transforme en Père Noël quand je peux pas être Dieu. Hé, t'as invoqué... Oh, voilà, ouais, doucement, oh, tu vas saturer nos inventaires, Funfan. Il va nous réduire. C'est gentil, mais là, ça va devenir la folie. Oh bah, c'est le but, je peux pas être Dieu, donc vous pouvez trouver un moyen de vous faire des malus. Oh, le haut, t'es... Ah ben... Il est fou. Il est enchaîné, c'est incroyable. Il va se ruiner vite, je me fais un coffre moi. Avant que je... Ah non, me ruiner, non. T'as vu toutes les bergas que j'ai. Ça descend vite quand même. Oui, oui. Mais c'est apprécié, merci. Non, mais j'en ai tellement que... T'inquiète pas, je peux pas me ruiner. Ça descend vite, mais pas assez vite même. J'ai déjà entendu ce dialogue sur un certain simulateur de camion avec un certain Nayonet. Ah, j'ai pété de thunes, donc je m'en fous. Je vous roule dessus. Ça parle mal. Aïe. Donc, quand tu vois que t'as tout ça, ça descend pas très vite. Tu as... Oh, t'as presque 14 millions de bergas. Ah oui, en effet. 14 millions, comment c'est possible? Bah, il est mon modo. Et il est quasiment tout le temps là. Ah, parce que je l'évite très peu.
Il faut envie de plus en plus à tes poches. Il a été avec poli, il a dit poche, il a pas dit autre chose. Dès qu'on me donnera l'occasion. Ah, ton compte secondaire. Oh oh, mon pire cauchemar est arrivé. Quoi? 11 cm? Non, un ghast. Ah. Regardez ce qui m'arrive en direct. Merde, il fait tout sauter. Donc, tu vois qu'avec mes 10 points. Il a la carte de bébé en plus. Ah, retourne l'envoyeur. Oh, ouais, j'ai renvoyé avec mon arme le projectile explosif dans la tronche de mon agresseur. Donc, quand tu vois toutes les bergas que j'ai, ça descend pas vite. Hein. Ouais, ouais, non, je suis impressionné, effectivement. Il est fou parce qu'il invoque maintenant des monstres et des. C'est pas moi le monstre, j'ai plus ce pouvoir là. Pour le moment. Pour le moment. Mmh. Ah, ça me manque. Oh, ça reviendra vite, je pense. Avec un peu de chance, je te trouve ce qui va pas, on va dire peut-être au pire pour le mois de mars. Parce que ah, les orages me manquent surtout. Pas moi. Ceux qui me connaissent, si vous voulez, comprenez que ça m'excite d'un point de vue intellectuel. Oh merci les crânes de squelette. On a fait un truc quand il y a un orage qui est fait par fan, automatiquement ça me déconnecte. Ah bon? Un de squelette, mais c'est pourquoi faire. Ah, tu voudrais que ça déconnecte les joueurs? Ah, oh, et ça pourrait se faire, hein. Oh, ça serait moche. Ça, je sais pas, c'est alors pas un ban, mais un kick. Moi, l'orage, je vois pas. Ouais, ouais. Donne-moi ton kick. Non, c'est nul, si je vois pas mon propre orage. Non. Mais non, mais bon, moi, je me déconnecte, comme ça, au moins. Ah, toi, je rage pas. Alors, moi, j'ai pensé une farce que je vais peut-être programmer plus tard, mais pas maintenant, pour faire rigoler tout le monde et fun fan, mais moi, ça me fera rager. C'est-à-dire que je vais peut-être donner le pouvoir dans les options là, à déverrouiller, enfin à acheter, le fait de me téléporter contre mon gré. Ah ouais, mais c'est horrible. C'est horrible, mais ça pourrait être drôle. Si je trouve un point de chute intéressant, ça pourrait donner des trucs rigolos. J'aimerais te faire ça un samedi, que tu te connais. Pas grand-chose, parce qu'il suffit qu'il y ait de la lave à côté. Non, mais si tu fais un truc protégé, tu sais, une grosse arène. Si, par exemple, prochainement, j'arrive à faire mon hippodrome et qu'on se fasse des courses de chevaux à l'intérieur. Par exemple, je pourrais dire, je me fais téléporter d'office au centre de l'hippodrome. Je risquerai rien, c'est un truc, une énorme arène sécurisée. C'est juste qu'il faudra que je me fasse huer à refaire tout mon chemin, quoi. Peut-être. Je mets une hypothèse. Mais techniquement, c'est possible que je sache. Une fan bientôt va nous offrir des diamants. Bientôt. Avec les sous qu'il a. Non, c'est trop abusé, ça, les diamants. Oui, parce que je vois dans la boutique du sage qu'il a ajouté des nouveaux trucs dans la boutique. De la petite nouveauté. Il va renouveler une commande à 30 millions de bergas qui supprime le compte Minecraft. Quoi? Non. Le truc diabolique. Et encore, si je pouvais échanger avec mes deux comptes mes bergas, j'en aurais deux fois plus sur un seul compte. Je me souviens quand il y avait les échanges de nanane. Oui, c'est vrai. Le trafic des nananes, comme disait l'autre. Ouais, je viens d'exécuter un rituel impie prohibé depuis des siècles. Méfiez-vous. Ça marche pas. Non, ça marche pas, c'est les... Bah, ça a été annoncé, mais vraiment, j'ai vérifié, ça marche pas encore, puisqu'en fait, c'est une invocation d'entité. Et je peux plus le faire. Il faut que je trouve la parade, justement. Et normalement, ça va venir. Il faudra que je relève toutes les coordonnées de tous nos lieux communs sur la carte
pour y faire apparaître des chauves-souris. Histoire de faire flipper tout le monde. Ça rigolo. Ah. Imagine, t'as des chauves-souris marines. Bah, sous l'eau, je sais pas trop comment ça peut se passer. Bah, si plus tard on arrive à avoir, visiblement, Nashelman est en train d'œuvrer pour avoir un lieu commun sécurisé sous l'eau, je pourrais très bien reprendre les coordonnées et dire à ce moment-là, il y a des chauves-souris qui apparaissent quand vous déclenchez l'option. Donc non, en fait, on va remplir ta base marine, il pourra apparaître des chauves-souris, en gros, c'est ce que dit le site. C'est ça. On verra. T'es en train de faire un lieu pour les chauves-souris, Nash. Un lieu de préservation. Et là-bas, on dit chauve qui peut... Vu qu'à la surface, des orages, je reste sous l'eau, comme ça, moi... Moi, je suis bloqué parce que j'ai un squelette qui me nargue devant une porte. Est-ce que là où il y aura les chauves-souris, ce sera le quartier général du chauve-gang de l'Aéroster? Mais non. Oh non, ça se fait pas dire ça. N'importe quoi. Le chauve qui sourit. Qui est con. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ah, sacré fun. Oh, je viens de mettre un coup de pioche dans du... Pas de l'ambre, le truc blanc dans les enfers. Aïe. Du marbre. Non, pas du marbre, comment ça s'appelle? Je prends la fuite de face au vilain. Je veux, je serai le chef du chauve gang, j'en suis sûr. Oh, ce serait rigolo. Ah, mais le quartz, j'ai une sœur, ok. Du quartz? Vous avez trouvé du quartz? Bah, dis donc. Oui, je suis bien content. Sinon, ce sera le sage, le chef du chauve gang. Je suis en train de me faire peur. Chauffe qui peut. C'est ça. Qu'il est bête. Ouah, c'est la mort. Qui t'a assassiné, mal. Chez chat, et chez moche. J'espère que les DJ ils s'ennuient pas. Non. C'est un productif, DJ. Il fait toujours plein de choses. Ça, c'est bien, c'est beau, faut garder l'esprit là tout au long de sa vie. D'où le groupe de musique Cool and Sharp Gang, Torota. Ouais, il fait référence à Cool of Gang. Il a réussi à se dire son pseudo. Mais j'arrive de temps en temps à le dire, mais après j'oublie comment on le dit. Ah ouais, je dois vous raconter une anecdote qui est totalement vraie. Mais j'ai voulu inviter Torota, j'ai voulu l'inviter et j'avais pas très bien dormi dans mon serveur. Et du coup, tu l'as envoyé, soit tu faire partie de mon cerveau. Effectivement, c'est pas mal. Et j'ai croisé un sorcier. Oh, je suis empoisonné. Ce soir-là, j'avais pas dormi de la nuit, ce qui fait plaisir à tout le monde. Et du coup, quand il écrit le mot cerveau, il dit « ton cerveau ». Et ouais. Le S et le C, comme ils sont à côté, bah, j'ai fait une faute de frappe. Mais... Eh oui. Elle est pas et mal, ouais, celle-là. Je me rends affamé. Ah. Lui, je trouve ça rigolo comme une faute de frappe. Aïe. C'est pas mal. Original, moi je l'ai pas faite jusqu'alors, mais c'est rigolo. J'ai empoisonné. Ah. Mais, aïe, je me fais mal au pied. Moi, par contre, je suis en grand danger parce que là, c'est de la misère. Joue la sécurité, mets-toi en retrait, Dragon Sky, essaie de te faire une planque derrière un mur, derrière une porte, un obstacle. Ah, merci. Ouais. Ah, merci, elle tombe bien, la soupe. Elle tombe bien, Paul. Merci. J'avais un petit creux. Là, qui a pas de spawn. Oh, t'es niveau 21, fin du port, faut être niveau 22. Ça va venir. Oui. Bon, là, la soupe, c'était uniquement pour Dragon Sky. Après, vous l'avez tous bénéficié, mais je peux pas faire autrement. Bah oui, Eo, fini, oui.
Elle est tombée pile pour le bon moment, la soupe. Si, ça m'a bien aidé, ouais. Bien joué, merci. Ah, je suis au-dessus. Ça y est, j'ai retrouvé la civilisation, je vois un pont. GG. Et... waouh. Eh, je m'en sors, mais... mais d'une chance. Oh là là. Tiens, on va te l'écrire. On va te l'écrire dans le chat. Petit lit. Vite un petit lit. Dragon Sky. Ouais, ouais. Merci. Hein. là, j'étais à deux doigts, j'étais en mode... ah, j'étais en PLS total, j'étais en mode... ouais, au secours. Ouais, ouais, t'as des moments d'angoisse, hein, de stress dans ouais. Minecraft. Faut pas croire. Hein. Bon, j'espère pas qu'il n'y a pas un Enderman au même endroit. D'ailleurs, un Enderman, pour être tranquille, faut regarder droit dans les yeux. Surtout pas. Voilà, j'ai créé mon point de sauvegarde, c'est bien. Quel enfer. D'ailleurs, je vous, par rapport aux Enderman, je vous montrerai un truc, un C4. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Ah. Parce qu'effectivement, on peut les regarder droit dans les yeux. La question est comment ? Avec des lunettes de soleil. Non, mais je vous vois. De loin avec une longue vue. Non. Puis en plus, c'est une vieille fonctionnalité. Ça fait longtemps que ça existe. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le savent pas forcément. Ça existe. Il y a un moyen. Ouais, bah il faudrait que tu nous la montres, un de ces quatre. Il y a toujours moyen de moyenner. Je termine d'enlever mes derniers blocs là. Et... surtout au Moyen-Âge. Exact. Avec les blocs que FunFan il nous a gâtés, je pense que je vais pouvoir construire une petite demeure modeste. Ah ouais, j'ai carrément donné les matériaux pour sa maison. Tu pourrais me donner des sous pour payer mes impôts. Ouais. Impôts Minecraft, oui. Le stage, ce sera pas nécessaire de repasser sous l'océan. Ouais. J'ai tout à plein, c'est bon. Oh, bon boulot. C'est tout bon. Faudra que je bouge comme Jacques. La cavité, et après je pourrais entamer enfin les vrais travaux. Et alors là, par contre, ça va être titanesque. Ouais, il y aura la pluie entre temps. Par contre, pourquoi j'ai récupéré une tête de un crâne de squelette? Normalement, c'est pas possible. Il y a que les têtes de squelette de Wither qu'on peut récupérer. J'ai retrouvé mon vil ennemi. Ah, le lanceur de bombes là. Ouais, le Ghast. Merde, je l'ai oublié. C'est toi, le sage, qui a mis une commande pour qu'on ait les têtes des mobs. Exactement. Ah. Et bientôt, il y aura les têtes de dragon. Ça fait un super ornement. Tu vas pouvoir te faire des trucs à la Skyrim, Nash. Tu vas adorer. Ouais, mais j'aurais bien récupéré la tête du vrai dragon. Le sage, il me vient une suggestion, puisque de toute façon, tu dois refaire des retouches sur pour qu'on dans la boutique. Ça serait bien que, tu vois, alors c'est juste comme ça, que ce soit pas en braque, c'est-à-dire il y a d'un côté les bonus et de l'autre côté les malus. Tu vois, comme ça, on gagnera encore plus de temps. Alors, je m'y refuse, parce qu'en fait, mon organisation souhaitée, c'est... au tarif, c'est du moins cher ou plus cher. Ah, d'accord. Ok. Oh, merde. Non, j'y arrive plus. Je bats en retraite parce que j'arrive plus à le patater. Là, il m'a mis trop cher. Ah bah tiens, le prisme marine qui est vachement précieux, je vais le ramener dans la dimension normale. Qui connaît quand même un petit peu plus maintenant Minecraft. Bon, j'apprenne maintenant les bases de construire maintenant aussi. Ça viendra, t'inquiète pas, tu t'inspires des autres, tu laisses ton imagination. Oui, imagination, oui. Voilà, du moment, faut que je fasse
Oui, bah je sais maintenant comment faire un lit parce que c'est facile maintenant. Mmh. C'est si dur que ça. Parce que je vais pas forcément shipper dans les coffres à chaque fois ce que je fais pour apprendre les recettes beaucoup plus rapidement. Je sors l'item du coffre, je le mets dans mon inventaire et je le remets dans le coffre. Pour ça apprenne automatiquement les recettes qui sont dévoilées au fur et à mesure. Quand ça j'ai déjà les bases. Bonne approche. Voilà. Là j'ai appris pas mal de choses en une journée là quasiment. Donc ça fait beaucoup de choses. Là j'ai appris comment faire des cisailles aussi, faire un briquet. Je me tourne vers Torota, je suis en train de penser. Torota, je te fais une invitation, tu le dis si tu le souhaites ou ça peut se faire plus tard. Si tu es désireux de rejoindre notre vocal, pour ça, alors je t'ai déjà rentré, je crois, dans le. Oui, t'es rentré dans mon Discord, mais il faut que je te nomme au moins causeur, j'ai plus quel terme j'ai employé, pour te donner le droit. Parce que évidemment, je te fais entièrement confiance. Maintenant, on se connaît suffisamment, Torota. Si tu le souhaites, tu pourrais rejoindre la vocale, voilà, pour ton aisance. Et si ça se fait pas aujourd'hui, ça peut se faire un autre jour, hein, t'en fais pas. Je suis pas là pour te déranger par rapport à ce que tu fais en ce moment. Tu es une scène et le cerveau des chefs de race. Ah, mon dieu. Reviens. Ouch. Je reviens, on a sonné. Ok. Un dimanche, ça doit être la voisine qui veut des nouvelles de la maman de Fun, c'est pas possible. Je vais pouvoir récupérer de la lave en fusion. Oh mon dieu! La question c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Je peux faire un tour avec les ressources qu'il m'a donné Fun Fun. Je peux me faire des barreaux de fer, voilà, pour m'en prier. Attention avec la lave quand même. Prisonner si je veux. Ouais. C'est un wagonnet, ça va me servir, ça va me faciliter la vie, le wagonnet. Plaque de pression pondrée lourde, ouais. Plaque de pression pondrée légère, et qu'il faut faire avec de l'or. J'ai développé aussi des recettes, des actions et d'autres qui n'actionnent pas. Ouais. Un distributeur. Pout. Là, je vais ranger le prismarine taillé qui sera donné par Fun Fan et éventuellement les autres. C'est apprécié. Oh, je sais pas où ranger mes trucs. Je vais tout mettre là-dedans. Non, mais en fait, ça fait une sacrée surface, en fait, moi, je pense. Je suis complètement taré, moi. Bon, tu vas rentabiliser à terme. Bon, certes, ça va dans la durée, ça va être dur pour le gros œuvre, mais après, tu seras super fier de. Ce qui va poser problème, en fait, c'est les ressources qu'il faut. Bien évidemment, c'est pas juste de la pierre et voilà. C'est de la prismarine et du quartz. Donc, c'est partie des objets les plus compliqués à récupérer. Alors, quartz, en retournant pas mal les enfers. Ça pourrait s'arranger, à moins que tu veuilles vraiment des kilomètres cubes, là ça va être dur. Mais le prismarine taillé, maintenant tu sais que les généreux dieux de la boutique Wisebot pourraient arranger le coup à la longue. Mais il n'y a pas que la prismarine, il y a aussi là. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, c'est. Ouais. Va falloir payer plus cher. Je vais pas tout mettre dans la boutique parce que sinon ça déséquilibre le jeu. Non, mais il faut juste que je trouve d'autres temples que je démonte. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un robot faire sa pub in English. Le killer Bozawan, là. Mince, d'ailleurs, il me perturbe tellement que j'ai pas pris le bon chemin. Le ban ? Ah bah, tu es invité à lui botter les fesses, oui, bien généreusement, mon cher Fun Fan. Fais-toi plaisir. Enfin, le modérateur, il sert à quelque chose, quoi. Tu veux que je te prouve que je sers à quelque chose, y a pas de problème. Ah non, tu me bannes comme ça, tu me donnes des abonnements. Cool, ça.
Mais là, c'est ouais, plus mais... un accident, c'est une provocation, non, ça compte pas. Je troll, ah ouais. C'est juste que. En fait, t'es modérateur, mais c'est tellement calme chez le chat, chez le sage que c'est le chat. De... Oui, il est pas ban, FunFan. Hein? Il est pas ban, FunFan. Ah bon? Non, tu as juste supprimé son message. Non, il y a marqué annuler le bannissement. Non, non, je l'ai. Il y a marqué banni. Ah, okay. Ah, c'est marrant, c'est normal, il était censé disparaître du chat, mais. Ok. Oui, j'ai dû mettre une option, je sais pas, pour qu'on voit sa bêtise aux yeux du monde et puis faire comprendre aux autres ce qui est autorisé ou pas, pour l'exemple. Ouais. Mais Edier, je peux te donner un bannissement temporaire, et là, comme c'est temporaire, je paye pas d'abonnement. Non, je... tout bannissement. C'est juste pour montrer que c'est tellement. Oui, clair. Effectivement, oui. Que franchement, le modérateur, bah, limite, il n'y en a pas besoin, c'est tellement calme. Je fais aussi modérateur d'accueil. Hein. Toujours. Ah, oui. C'est ça que je veux pas que de garder mon poste. Il fait des clips, il co-anime. Je serais bien tristouné sans FunFan. Je sais pas, ce serait différent. Je pense honnêtement que je serais plus terne. Oui, il y aurait moins de charisme, ça c'est sûr. En plus, va, le modérateur est prétentieux, quoi. C'est juste objectif. Ah oh, là, il flotte, bah, du coup, ce qui est qu'à invoquer. Je suis pas le meilleur modérateur, c'est Nash. Par contre, je suis le plus charismatique. Quoi? Attends, j'ai entendu mon nom, quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne suis pas le meilleur modérateur. C'est Nash. Non. Tu enlèves le meilleur, je suis meilleur d'un du tout. Moi. Par contre, je suis le plus charismatique. Voilà. Ouais, ça c'est ce qu'on dit. Ouais. On se rassurait qu'on se le dit. Hein. Moi j'ai pas besoin de le dire. Hein. Au moins, Killer, il me justifie mon salaire. J'ai fait un bannissement, voilà. Mmh. Comme ça, je peux prendre un salaire. Bon. En fait, Killer, il a eu pitié de toi, Killer, en fait. Ouais. C'est le premier ban de 2023. Oui, je crois en plus. Sans déconner, je crois que c'est ouais, ça. Le premier ban, puisque en théorie ce serait Edgy, mais ça compte pas. Ça devrait. Mais bon, ça va, il a eu une belle compensation. Il peut faire des messages sur le chat s'il a envie d'interagir. Oh, j'ai trouvé des canards. Ah, t'as trouvé Hotech. Il chantait construction. C'est ça. Chantier de construction, digi. J'ai trouvé le Hotech Maker. Hein. Non, mais je parle des canards dans Minecraft. Pour ça, j'ai dit, j'ai croisé le Hotech. Hello, me revois Lee, me revois Valou. Il n'y a pas encore les canards dans Minecraft, je crois pas. Est-ce que tu vois là, s'il y a des canards, j'ai vu des canards. Attends, non, n'importe quoi, c'est dans un autre jeu, oui. Est-ce que tu vois la référence, le sage? Ce que j'ai noté. Je réfléchis. Comment me conquérir Generals? Ouais, bravo. C'est ça. Mayonné. Oui. Puis-je te kidnapper? Pourquoi? Ah non, je ne vais pas séquestrer par une personne mineure. Non, mais non, juste pour aller dans l'âge de pierre. Ah oui. Là, tu me proposes de retourner à la préhistoire. Hein. Moi, j'aime bien l'ordinateur, le chauffage, l'appartement, la maison. Oui, bah bien sûr, on peut faire ça. Mais attends, je lance le truc. Donc le sage, il m'a kidnappé avant toi. Hein. Et j'ai dit Prums. Non, mais allez-y, alors. Faites-vous vos salons multijeux. Je vous encourage totalement à le faire. Moi, je suis content que j'ai pu remettre enfin l'horloge dans le stream. Ça fait un moment que j'avais plus remis, je me suis dit, ça serait bien que je pouvais remettre un de ces jours ça. Mmh. Ah oui, en habillage. Du coup, j'ai pu retrouver le fichier en question, parce que je l'avais planqué. Oulala, un petit foufou là qui court derrière moi. Oui, oh là, fais gaffe, c'est les plus vicieux, ça peut mal se finir. J'ai un petit zombie qui courait comme tout vite là. Ah, fais gaffe, ils sont vice là, les petits. C'est des petits teigneux.
me rappelle quelqu'un de la politique, mais je sais plus qui c'est. Qui c'est qui est petit et qui était mieux comme ça hein. Bah, plus ils sont petits, plus ils sont agressifs, hein, comme on dit. C'est un Nicolas Sarkozy, peut-être ? Oh là là, pas un Nicolas Sarkozy, au secours, au secours, au secours. Le sage, faut le bannir. Moi, je suis très content de ma bestiole, quand même. Elle est petite, elle a une sale gueule. Saint-Nicolas Sarkozy, ça va très bien. Oh là là, oh là là, je vais venir à Grenoble, je vais brûler Grenoble. Ça n'a rien à faire, il y a ces gueules qui est à Grenoble. Tu peux brûler Grenoble, hein. Et toi, Grenoble, hein. Je vais venir chez toi, je vais brûler ton logis. Et toi, avec. Je vais te trouver. T'inquiète, j'ai une bande d'espions autour de moi. On me passer sur le corps aussi, avant. Ah non, non, ça m'intéresse pas. Oh non. Oh non. Désolé, je fais pas dans le match. Hein. Ok. Il faudra me rouler sur le corps. Parce que passer sur le corps, bon, voilà quoi. Rouler sur le corps, c'est peu français. Non. Non. Ok. Donc, j'ai une question. EJ. Je suis sur le Borgo de Marena. Voilà. Oui. Donc, voilà. Je mets terme à la conversation en disant bon. Bon, je veux en compte de. J'ai le truc de la. Au refuge de la Renette. Oui, vas-y, c'est bien, le refuge de la Renette. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Je vais déposer mes affaires là-bas parce que, comme j'ai pas de maison pour le moment, donc. C'est mon logis de fortune, voilà, entre guillemets. Oui, tu as bien raison. Et d'accord, existe. Là, oui, vas-y, je te laisse hospiter. J'ai pas envie de les perdre. Ça m'embêterait vachement bien. Ah voilà, refuser l'invitation. Bam. Mais ça ne marche pas la commande Phantom Plus sur le Minecraft. Oh, ça ne marche pas. Ah, ça y est, du niveau 22, je suis content. Mets la vitesse que tu veux, mais tu risques de déborder. Mais je comprends pas le sage, ça fait longtemps que tu es sur certains serveurs et compagnie, comment ça se fait que t'es à peine niveau 22, t'es pas trop niveau 100. Parce que j'ai dépensé mon expérience pour faire des enchantements. Ah, d'accord, on peut dépenser son XP. Oui. Ouais, j'ai vu ça parce qu'il faut être niveau 30, un truc comme ça pour... j'avais vite fait comme ça parce que je suis tombé sur un livre d'enchantement tout à l'heure. Ah, il y a des ennemis qui me pourchassent. Oh mon dieu, vite, ferme-moi la porte et fais dans dodo. Et dit que je dois passer des ouvriers. Oh, quelqu'un qui a embêté généreusement des lits. Ben, je vais en prendre un. Ah, voilà, je vais m'en prendre un. Voilà. Ça parle, hein. Là, je suis rouge, c'est ça. Comme ça, moi, je suis tranquille. Là, le chat est en colère. Ah, c'est Régis qui vient de s'en prendre une, là. Non, c'est moi qui viens de taper dans les mains. Quand tu avais dit que tu faisais une pause, je pensais que Réglisse, entre temps, il était passé dans la casserole. Ah oui, j'ai voulu cuisiner Réglisse, je me suis dit, oh, puis non, je mets pas de viande. Oh. Vas-y, Edge. Ouais, il faudrait que je me fabrique un C4, une longue vue, ouais. Pour voir les ennemis au loin. Ah, ben, vois ça avec le sage, il en a pas mal de lorgnettes. Ouais. J'aime bien lorgner du côté de chez Christella. Non, j'ai dit des longues vues. J'ai pas dit autre chose. Ouais. C'est pareil, une lorgnette ou une longue vue, c'est pareil. Hein. Bon, il doit avoir une différence majeure, mais je sais pas quelle est. Mais le sage, il a plein de longues vues pour être tourné Christella. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Avez-vous des preuves? Mais on sait que le sage Gentleman, il espionne au cas où il aurait un problème pour venir la sauver. Hein. C'est tout. La version officieuse, je ne sais pas, mais la version officielle, oui. De quoi l'armure? Non, rien. L'armure, c'est pour se protéger contre les attaques. Ah, il y a le ding donc du jeu, c'est marrant. Bah oui, il a une armure, mais on ne sait jamais. C'est bien de rajouter en plus le sage au cas où ça suffirait pas.
Ah, j'ai des commandes sonores à faire marcher dans le... Elle est l'armure et lui est la lance. Ah oui, j'en ai une que j'en ai créé ce matin. Il faudrait que je la mette en place. Attends, mais j'ai encore un libre. Normalement, si Wizbot il me fait pas la gueule, parce que pas comme hier soir je voulais tester les nouveaux sons, ils marchaient pas, donc du coup Wizbot faisait la gueule. Oh, le score que j'ai fait. Ouh. Excusez-moi, je suis en train de jouer avec Edge. Un jeu qui s'appelle L'Âge de Pierre. L'Âge de Pierre qui est un jeu de société de gestion économique à la préhistoire. Mmh, c'est assez simple, c'est bien foutu, c'est allemand. Et d'ailleurs, le nom porte le nom d'un auteur d'un combiné des... En fait, à l'origine, c'est un nom qui n'existait pas parce que c'est un combiné des trois personnes. Non, c'est un combiné du nom des trois personnes qui l'ont créé le jeu. Ah ouais. Ah, j'ai un peu la caméra qui est en train de partir en cacahuète là. Pas la caméra du jeu, mais la caméra de capture vidéo là. Elle part en live, comment dire. Il est tout fou, Régis. Il est tout fou. Mao. Oh merde. Je suis à moitié haché là-dessus sur la vidéo. Voilà, ça va. Oui, j'ai mis une nouvelle commande que j'ai fait pour vous les gens. C'est le petit nom, le sans question, c'est le laitier donc du jeu de Psychonautes. Je suis le laitier, mon lait délicieux. Il paraît qu'il est excellent ce jeu et je l'ai encore jamais fait. Je suis le laitier. Livraison spéciale. Et quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit mais c'est incroyable, il est partout celui-là. Oui. J'ai dit faudrait que je le fasse aussi, ce jeu de C4 aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Mais il est excellemment noté. Il paraît que c'est un incontournable. Alors bien que je m'y frotte un jour. Pareil. Oh la vache, faut déjà que je refasse un aller-retour parce que mon inventaire est plein à craquer. C'est la folie. Non, moi ça va, mon inventaire il est tranquille. Il est pas trop rempli. Oh non, t'as vu, Jay, le score que j'ai fait? La 11. Nul ça. C'est nul. Putain, la vache. Oh, c'est quand que ses ennemis ils partent et je peux pas dormir. Fifre. Je vous souhaite la bonne soirée. Ah bah, bonne soirée. La soirée qu'elle nous soit bonne. Soirée. Bonne fin de base de live. Merci. Ouais. À bientôt. Merci d'avoir joué. Puis bon courage pour demain. Merci d'avoir joué. Boulot, hein. Ouais, demain. Ouais. Bon courage pour le travail ou à l'école. Hein, pour ceux qui sont à l'école aussi. Voilà. Ouais. Merci pour tout. À plus, Nash. Barco. Bon, maintenant qu'il est parti, je peux faire la pluie. Il pleut déjà dans Minecraft. Oui, mais je préfère la mienne. Ah. Oh, qu'est-ce que je fais en enfer. Ah oui, j'avais dit que je mettrais une commande de rire aussi également que j'avais oublié de programmer hier. J'étais tellement fatigué. J'ai quasiment travaillé assez tard comme j'ai expliqué. Ah, c'est à mon tour. Ah oui. Entre les problèmes de PC qui sont un peu hasardeuses en ce moment. Mmh. Oh, c'est chiant ça. Et puis le Wizbot qui me fait la gueule des fois de temps en temps. Il vient de temps en temps mais pas souvent. Alors du coup il faut que je me base sur la commande du rire. Oh bien. Oh, ça il faudrait que je le récupère. Ce sera pas trop difficile. Oh tu j'ai failli me faire avoir par le... Ouah, mais il y en a combien?
Là, je peux pas tout gérer. Là, ils sont trop nombreux. Oh, un outil chacun. Et voilà, j'ai perdu un crème de magma. Dommage. Parce qu'il est tombé dans le vide. C'est dans ma partie actuelle. Il faut surtout pas que j'ai un gaz qui me bombarde. Parce que là, je suis foutu. D'ailleurs, je vérifie. Et ben, je m'attendais pas à progresser aussi vite dans les enfers. Ça, c'est intéressant. Je vais sûrement déboucher assez rapidement dans un nouveau secteur d'ici peu. Ok. Merde. Lui, faut que je le tienne en respect. Ah, dommage, il est tombé avec ça. Merde, bah, je suis tombé pour de bon. Bon, bah, le cube de magma gelé, il faudra que je remonte. Bon, ça va, je peux passer de côté, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol dans mon malheur. Tiens, lui, il vient. Alors, configuration, dire texte. Non, c'est pas ça, c'est jouer. Jouer seulement le son, voilà. Config du son. Upload de fichier. Celui-là, je crois, si je me rappelle bien. Je me souviens de ça. Le volume au maximum. Voilà. Éther d'activation on-off. Ok. Les permissions, ben, je laisse pour tout le monde. La limite, pour le moment, j'en mets pas pour l'instant parce que c'est juste en test. Et du coup, là, maintenant, je vais la tester directement dans le live. Attends, dans quel état est mon armure ? Ah, si je l'entends. Je fais gaffe, mon armure commence à être bien entamée. C'est dommage que je perde mes enchantements. Ah oui, elle fonctionne avec les mods en plus qui va avec. Voilà. Ah, bah on est plus que deux Dragon Sky, je sais pas me rendre compte. J'ai réussi à faire la provocation. L'alias déclencheur, voilà. Ouais, si je mets que Lul, ça peut marcher. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je mets juste le mot Lul, voilà, pour que ça soit, pour dire que ça soit la rigolade. Là, du coup, je teste avec les mots normalement. Parce que ça affiche les mots de rigolade, normalement ça marche. Voilà, ça fonctionne aussi avec les mots. C'est bien. Oh, c'est dommage. Ah voilà, c'est bon. Ça c'est programmé pour le rire. GG Dragon Sky, c'est bien. Un rire VG que j'ai trouvé sur internet. Oui, dans Magic Pocket c'est bien réglé. Sinon, j'ai des sons avec des boutons, mais qui est gratuit aussi. Il y en a certaines, elles sont vraiment très trash quand je les ai écoutées. Ouch. Non, moi, comme vous le savez, j'ai la chance, ayant investi plus jeune dans de quoi faire de la composition musicale, je me suis acheté des Blu-ray ou DVD, non pas des Blu-ray, des DVD des banques de sons dont j'ai les droits d'exploitation. Et c'est pour ça que je vous propose autant de sons sur ma chaîne et que... Puis maintenant, vous voyez, j'extrais des sons rigolos du direct. Et c'est génial. Moi, je vous cache pas, je m'éclate. Je suis dans mon élément avec Twitch, c'est extra. Je m'éclate comme un petit fou. Mais c'est bien. Je vous encourage toutes et toutes à en faire autant. Et puis pour ceux qui veulent des conseils techniques, des recommandations, n'hésitez pas à m'envoyer des messages quand j'ai le temps de répondre. À défaut de vous faire une réponse complète, je vous donnerai les pistes à suivre. Ah, j'ai trouvé aussi le célèbre René qui dit « C'est honteux !» Ah oui. Le célèbre René. C'est René la top, non? Voilà. Tout le monde a aidé. Bref. Oh, il m'a fait peur cet idiot en sautant. Waouh. Ou René Bienville, je sais plus. Oh, je m'occupe du...
Oh, c'est tellement tentant de récupérer le. Ah, ah non, le jet de bloc. Fais coucou. Ok, coucou, coucou. Oui. J'ai entendu mon nom, début de mon nom. Ah bon? J'ai entendu Nai, c'est tout. Nine. N'importe quoi. Et c'est grave. Et aussi le son du rat, c'est aussi un son de bouton que j'ai trouvé. Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de ça produit par des rats, donc ça m'a fait trop rire. Le père de Minecraft, c'est cadeau Anthony. Ah, cadeau Anthony qu'on embrasse, il est adorable ce garçon. Ah, mais j'ai des sacrées sources, je peux pas les dévoiler. Tiens d'ailleurs, interro surprise pour FunFan. Est-ce que tu dois faire la pub de cadeau Anthony sur mon chat, s'il te plaît? La commande, tu t'en souviens? Je crois bien, ouais. Ah, je te mets au défi. Oh la vache. Pour l'exemple, juste pour cadeau Anthony, parce que c'est vrai qu'il est adorable, cadeau Anthony. Pour ceux qui éventuellement qui ne le connaisseraient pas, là, quand vous regardez la rediff. Je sais pas s'il faut coller ou pas, on va essayer. Bien! Très bien. Merci, FunFan. Non, ça a pas marché. Si, si, je le vois. C'est l'heure de la réclame. Ah, parce que tu regardes sur téléphone. Ouais, sur téléphone, ça... Les annonces... Ouais, ça passe pas sur téléphone. Mais j'imaginais qu'il y aurait toute sa bio, moi. Et juste... Ça m'a envoyé chez un gars qui s'appelle Cadeau. Oui, c'est vrai, tu as pas mis tout attaché, oui, c'est vrai que ça joue. Il y a Minecraft en plus, Cadeau. Moi, je sais quand je fais le... Mais c'est un russe. Ou un ukrainien, je sais pas. Bon, t'as pas pris voilà. Quand je fais le petit saut du sage de Nancy pour dire nous envoie de la force juste avant de nous raid, propose du Minecraft. Pareil. Allez, hein. Bah oui. Si je fais un petit instant publicité chez moi, demande. Non, merci, c'est gentil. Comme ça, c'est pas bon. Ok, c'est la mort. Bon, est-ce que les ennemis sont barrés? Quoi? Ils disent vous pouvez dormir que les oranges. Ah bah les ennemis se sont barrés. Voilà. Magic Club. Non, fausse piste. Finalement non, ce ne sont pas barrés les ennemis. Bon bah maintenant on sait qu'il y a un mec qui est russe ou ukrainien qui joue à Minecraft et qui s'appelle Cadeau. Comme Cadeau Anthony. Non. Bon, je vois l'horizon des enfers. Ouais, comme cadeau Anthony. Ah, je peux porter qu'un bouclier. Oh, c'est bien ça. Je vois l'horizon des enfers, mais point de forteresse à vue. Ah, fichtre, dans le coffre, il n'y a que de la terre. Ah. Ah, je suis nul, moi, avec les commandes. Bon, il est où? Il est passé où, le clampin, là? C'est quel clampin? Le clampin de squelette. J'aurais jamais pu faire un ingénieur informatique ou un truc comme ça, moi, parce que les commandes, je les retiens. Quoi. Ah, ça fait penser à la musique. J'étais ingénieur informatique. Oui, c'est une chanson de Sébastien Coé. Ton erreur, FunFan, c'est que t'as mis un espace entre Cadeau et Anthony. Il n'y a jamais d'espace dans les pseudos. C'est obligatoirement tout attaché. Ou avec des tirés du bas. Voilà, comme moi. Si on veut faire bien. Tiens. Je suis pas loin de la source de la rainette, du coup, ben je passe un peu partout, je navigue un peu partout. Tu fais bien. Je fais la navigation en ce moment. Mais j'évite de pas épuiser des ressources de chez tout le monde. Donc, oui, de me dépouiller un peu. Oui, c'est apprécié, merci Dragon Sky, mais cependant, si effectivement c'est vilain de shipper dans les coffres privés, tu as des coffres publics. Mais je reconnais que c'est pas spécialement bien noté. Il faudrait que je fasse un balisage universel qui soit compréhensible par tous en disant réserve publique, chacun peut raisonnablement piocher dedans, quoi. Voilà, ou que ça soit des ressources, des armes ou des armures. Oui, tout ce qui est en rab en plus, quoi, par rapport à chacun de nos expériences de joueurs.
Attends, parce que là, je me dirige vers Nashanman, à le puits des mines. Oh non, c'est pourri ce que j'ai. J'ai Nash. Moi aussi, c'est Nash qu'on a. Ça a marché naze. Par contre, il y a eu un creeper qui avait explosé et qu'il a cassé un peu les lampadaires, c'est de l'entrée du métro. Il faudrait réparer. Ah, les merdes, ça c'est des constructions de Nash. Oups, oui, il faudrait réparer, il va pas être content. Ou je pense qu'il a vu. Soit il a vu ou peut-être il a pas vu, je sais pas, du coup, ben. Ça serait, c'est un peu dommage de laisser comme ça. Tu m'étonnes. Alors attends, je suis en train de réfléchir et de me dire qu'il serait intéressant de bifurquer là où j'avais une intersection tout à l'heure. Elle est peut-être un peu loin l'intersection, non? Parce que là je suis face à une cavité qui est trop périlleuse et je vais pas la traverser. C'est un océan de lave, c'est pas pour moi. En passant par là. Oh, là aussi c'est chaud, hein. On peut le dire. Chaud et périlleux. Pou, 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 pou. Moi j'ai réussi. Juste à rentrer à temps parce que j'avais une araignée qui me pourchassait. Qui te collait au basque. Mais je peux pas dormir, me dit que des ennemis en proximité, ça me le refait encore. Mm-hmm. Oh là. Et pourtant, je ne suis plus. Je suis plus en visuel avec les ennemis. Mm. Ah ça y est, enfin. Le mec a 9 ouvriers, laisse tomber. Bah oui. De quoi? J'ai pas compris ta blague. Joli 10. Non, on est en train, avec Moyen Ayoné, on est en train de jouer un jeu de société de notre côté. Et il a 10. Ah, un jeu de société en ligne. Ouais, il a 10 ouvriers. Quoi, Monopoly Tricheur? C'est abusé là. Ouais, on fait du Monopoly. Non, c'est pas le Monopoly. Ça s'appelle l'âge de pierre. L'âge de pierre? Ouais. Ah. Oh. Attends, je réfléchis. Réfléchis. Pourquoi je prends ça? Ah, je vais prendre celle-là. Je vais mettre ça en jeu. Attends. Je vais prendre ça. Avec je suis plus trop quoi faire de mes ressources là que j'ai un peu en rab là. Fais-toi un coffre Dragon Sky et dépose les surtout j'ai envie de te dire ne les jette pas, ce serait contre-productif. Si tu me racontes le jeu parce que ce matin j'avais fait un petit peu de Minecraft. J'avais trouvé un peu, j'avais trouvé moi-même un petit peu de ressources. Que j'ai fait un peu de minage et qui est dans une zone autorisée évidemment. Parce que je me suis passé par rapport aux repères et tout. C'est bien. J'ai trouvé un petit peu de voilà, c'est bon. De cuivre brut, du fer brut aussi également. Bien. Ouais, c'est un bon début, hein, on démarre tous comme ça, Dragon Sky, ouais. Et à un moment donné, je suis tombé sur quelques blocs d'or. Par pur hasard, évidemment. Et les blocs d'or, je les ai fait un petit peu fondus pour faire des lingots. Voilà. Et du coup, tout ça, comme quand je savais pas quoi faire, du coup, j'ai donné en partie à un Aïdoné. Et on a fait un score moins important, on a fait quand même un bon score. Je me défends. Et voilà. Après, il faut vraiment utiliser les trois lieux du centre. Ouais. Et comme je disais, c'est un peu pénalisant la nourriture. C'est mieux d'avoir un peu d'agriculture. Et après, quand tu auras vraiment compris bien le jeu, tu pourras sacrifier des points pour gagner encore plus.
Moi, j'arrive pas encore à cette technique. J'ai pas encore compris comment il fallait faire. J'ai un pote qui l'a fait, mais j'ai pas réussi. Ah, le crâne de squelette, on peut mettre sur la tête du perso. Ah. Mais t'as vu les bonus, la carte bonus, j'ai x3 le nombre de bâtiments. Plus x2, plus x1. Ouais. Ouais, j'ai x2. Tu vois, la carte bonus, c'est le coefficient 3, c'est la carte là, qui donne le plus de bonus au niveau des coefficients. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai prise. Et c'est aussi important les bâtiments que les cartes civilisation, comme tu vois, quoi. Mm-hmm. Et c'est bien, t'as mis des cartes vertes. T'as eu 4 cartes vertes, plus une. 4 cartes vertes différentes. Ok. Ouais. Bon, bah, bien joué. Bien joué. Mm. Mais c'est possible de jouer à 4 à ce jeu-là, ça peut être cool. Ouais. C'est encore plus intéressant. C'est parti. Acheter ce jeu. Ah, acheter ce jeu, hop, c'est parti. Boutique. Ah bah ouais. Tiens, Nayone. Oui. Est-ce que on peut tester le Star Wars? Le Star Wars quoi? Ah oui! Ah oui, voir s'il... Si c'est oui. Le même problème. Oui, on va essayer. Alors c'est Game Ranger, c'est pas la machine. Ah! Comment ça? Ah, Kiki a tu veux... Fun. Tu veux essayer FunFan? Oh, tu veux essayer de rejoindre? Ah, je sais pas, vu que je suis ici... Ok, pas de soucis. Moi, on dit si ça marche, on va tester seulement. La porte renette. Voilà. Ah, je vais rejoindre. D'accord, mais oui, bah, fais-toi plaisir, FunFan. Je laisse EJ héberger. Ou alors, oui, si je te laisse héberger, EJ. Oui, je peux. Donc, Game Ranger. Clone Campaigns ou Galaxy Battlegrounds. Alors, Clone Campaign, c'est l'extension, on l'a tous. Donc, tu peux mettre l'extension, il y a encore plus de peuples, encore plus de cartes, encore plus de ceci, cela. Description. Le mot de passe, toujours très important. Très important. On ne dit pas haute voix parce qu'il y a des oreilles sur Twitch. Il y a plein d'oreilles. À queue. À queue, voilà. Ah, à queue. À queue, coucou. Ah, je croyais que c'était piano, moi. Piano. Attends. J'aimerais voir rejoindre, mais quand je suis droit, il n'y a rien. Voilà, j'ai mis ma réserve en sécurité. À queue rejoindre. À queue rejoindre. Voilà. Joins Game Room. Après, je me fasse un petit panneau. Et marquer mon nom. Ma petite réserve de fortune, comment dire. Oui, tu bah vas-y Dragon Sky. Vas-y alors, faut inviter FunFan, je pense. Attends, je vais l'inviter. Vite to game, voilà, c'est fait. Chercher les panneaux, c'est où? Ah, mais pourquoi j'y mets en pause? Quelle andouille. Pancarte. Ouais, c'est des planches. Ouais, c'est des planches de peu importe quel truc, et il faut des bâtons. FunFan, on t'a invité. Ok. D'accord. Alors, excusez-moi, deux petits coups, le temps de lancer la partie, et Jay, je vais juste nourrir le chat. D'accord. Mm-hmm. C'est Jay qui c'est Dragon Sky qui dit d'accord alors qu'il joue pas avec nous. Non, parce qu'il est parti. Non, parce qu'il est parti. Vocal. Manger au chat. Ouais. C'est pas grave, ça fait vivre le direct. Vous avez raison, ça fait renvoi de police entre vous. Pour qu'on stream s'il y a trop d'écho ou pas, que j'essaye de mettre le son à minimum. Ok. Moi je suis très vilain, je vais me décaler, c'est pas bien pour le mien, mais 18h j'ai la fringale, j'entame ma brioche. Je fais nimpe. C'est trop fort ou ça va comme ça? Ah, j'ai entendu des ptioup 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 ptioup. J'ai entendu des ptioup ptioup aussi. Hein. Justement, c'est le but que vous les entendez pas ou à minima, enfin que ça vous gêne pas quoi. J'ai appris une nouvelle recette avec des boules de slime. C'est bon comme ça, vous voulez que je baisse encore? Non là c'est bon, j'ai rien entendu. T'as trouvé le bon volume, FunFan, bien joué. C'est vrai que ça faisait pas mal celle d'arcade en fait. C'est rigolo. Oui, merci Christella. Alors c'est très vilain parce que j'ai vraiment me décalé, il est 18h20, mais là, j'ai un coup de fringale. Bon, merci. Autant à 16h, 17h, ça allait encore, mais là, mon corps me réclame. Bon.
Ça va être mon dîner, je vais grignoter la moitié de la brioche et puis voilà quoi. Je vais bloquer les équipes comme ça, Nalioné il va pas nous trahir. Très bonne idée. Oh, sinon Nash lui fera une queue de poisson avec avec Christella. Oh merde. Oh, la lave pose problème, je suis sous la lave. Ouais, ça va pas. Idem là, idem là. Il y a une roche, c'est quoi de la teuf. Ah, c'est du... Je sais plus comment on traduit de l'anglais, teuf. C'est de la boue, je crois. Non, c'est mud. Mud, en anglais, la boue. Teuf, ça doit être un... Oh, j'ai plus la traduction en tête, je suis désolé. On va dire que c'est un équivalent de la boue. D'accord. Je suis vraiment sous un... Ah merde, je suis vraiment sous un... Je peux pas progresser mon tunnel, ça va pas. Ça va pas, mon truc. Ouais, allez, tant pis, je vais faire un virage. Ah, j'ai appris une nouvelle recette grâce au bloc de cuivre. Yeah, bien. Ouais, tu progresses, c'est bien. C'est toujours jouissif le début. Tu sais, le fait d'être exposé aux ennemis et d'être entre guillemets à poil, c'est frustrant. Mais la récompense, c'est que tu déverrouilles vite des trucs au début. C'est la contre. On appelle ça le contrebalancement, la compensation. Vous avez intérêt à avoir des bons réflexes pour gérer la lave. Quand on fera le tableau mystère, mais je pense que vous serez à table, mais je vous soumettrai quand même à un vote, comme je prendrai mon antenne encore une heure avant de faire les chaînes à Bastos. Si on continue, je continue la diffusion de Minecraft sur Twitch, ou si on se fait une pause bibille. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, vous serez théoriquement à table, alors vous serez peut-être pas... On verra. Je verrai mon nombre de spectateurs et... Si vous êtes positif à faire des bibis, ce serait bien qu'on soit au moins 5 pour... Ah oui, t'as fait une sacrée récolte en agriculture, quand même. Bah, je suis plus tout seul, Dragon Sky, donc tu sais, ça va vite. Hein. Hello, me revoilà. Renayone. Vous êtes là, les gars? Oui. Magic Club, c'est un Wookie. Ok, je suis là. Un Wookie. Ok, là je vais être Fédérancy, Gungan et Rebelle Alliance parce que ça, on voit Rebelle du bien. Alors Nayone, j'ai bloqué les équipes. Oui. Comme ça tu ne trahis pas. Non, mais ça sert à rien, vous pouvez me faire confiance. Et vous, Nash ne fera pas de queue de poisson sur l'autoroute. Pas du tout. I'm ready. Are you ready? Are you ready, ready? Go, alors je crois que c'est 11. Ready, go, go. Non, c'est 14. Non, c'est pas ça, c'est... Oh, on a entendu Dark Vador. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Bonne fan. Et merde. Oula, oula, voilà. Oula. Y aller. Non. Non. Les codes de triche. Les codes de triche. Quoi? Ah, merde. Les codes de triche. Non. 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 Donne nourriture, fous-moi. Oui, j'ai encore de la place dans l'inventaire. Tiens, je Pablo, pensais que plusieurs coffres. Oh la vache, t'as fait beaucoup de coffres avec que du sable dedans. Ah oui, j'ai écumé le désert, t'as pas idée, Dragon Sky. Et c'est pas fini, hein, ça va. Mais... Oh, j'ai la neige. Ouais. Je vais avoir besoin de beaucoup de blocs de glace, enfin de vitre. Je sais pas quand, mais dans mes projets, j'ai une volière à faire assez grande. Donc un dôme, on va dire, peut-être de 75 sur 75 ou 100 sur 100.
Et en fait, la volière, ça fait partie de mes futures options dans ma boutique. Vous pourrez vous commander un perroquet à votre nom qui sera dans la volière. C'est trop fort ou sinon je mets un casque hein? Non, c'est moi qui est trop fort. Ouais, ça reste correct, ça va. Je pesterai si c'est vraiment envahissant, mais... C'est rigolo, on se croirait du coup dans une salle d'arcade. D'avoir les sons mélangés de chacun, c'est, ça fait une ambiance particulière, c'est rigolo. Non, je veux pas que ça te coupe dans la vocale, quoi. Mmh. Ouais, ça va. Merde. T'as vu le message, j'ai dit t'as été capable de comprendre. Oui. Nayone est disconnecté d'une salty seconds. Ok. T'inquiète, j'avais capté. Mais apparemment, il a dit non en fait. T'es déconnecté ou pas? L'éclaireur, on dirait qu'il a un bruit de Formule 1. C'est un bruit de chasse d'eau, mon truc. Hein. Oh merde. Faut que je me barre vite parce que sinon l'élément risque de disparaître. Build de maison. Je vais manger un bon morceau de brioche. Je vais pudiquement refermer le clapet de ma webcam. Ça se fait oh, pas, on est dans l'espace, les gars. Manger. Comme dans Empire Earth. Je vais vous mettre une belle vue de Minecraft. Le temps de savourer pendant 5 minutes. Attends, que je vous mette un truc intéressant. J'espère que je vais pas me faire allumer. Attends, c'est loin mon... Ah oui, c'est loin. Il y a de la marche. Franchement, je trace dans les enfers. Là, je commence à faire pas mal de centaines de mètres. Mais le son est 100 fois trop fort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Pardon pour les gros mots. Attends, je vais répondre. Je vais baisser, là. Ah, je mets un... Voilà, sans prendre trop de risques, je vous mets un peu la vue, là. Voilà, je reviens. 5 minutes, le temps de manger un bon coup. J'arrive. Enfin, je reste en vocal en même temps, mais... Les planètes, c'est génial. Comme on le avec l'extension. En fait, les textures blanches avec les points, les particules blanches là, noires avec les particules blanches, c'est l'espace. Ok. Ils ont fait une planète plate quoi. Et vous avez un navire de transport aérien, il me semble. Bah, c'est un vaisseau spatial, je crois. Oui. Comment adapter la 3D dans la 2D? Bah, un truc plat. Bon, le but c'est la déconnexion à éviter. De toute façon, c'est peut-être le host qui gère ça. Hein. Ouais. Mais il y avait host fan à un moment, mais ça n'a pas marché. Ouais. Pire, c'est que j'avais bien ouvert les ports, mais bon. Ouais, mais attends, on va attendre après. En général, c'est au bout de 10 minutes que ça bug. Hein. On n'y est pas encore. Coming curve. Voilà. Ah, il a dit voilà. Voilà quoi. Non, c'est moi. Du coup, là, j'ai fait dans l'espèce d'hébergement temporaire que je suis habité. Je me suis mis un petit panneau marqué réserve temporaire de Dragon Sky parce que comme j'ai pas encore fait de construction officielle. Tu as très bien fait. Voilà. De mes deux là, rien du quoi. Du coup, j'ai mis exprès un panneau réserve temporaire de Dragon Sky. Voilà pour être précis que voilà, c'est mon petit chez moi. Voilà. Bah oui. Hein. Parce que comme je débute, voilà, c'est en gros pour dire, c'est pour marquer le coup, c'est pour poser ma première pierre. Voilà. Bah voilà. C'est pour poser ma première marque. Voilà. Bah oui. Hein. Ah oui, hein. Du coup, tous les objets que j'ai pas besoin, je vais les mettre en sécurité. Ah, mais je peux rejoindre l'ami qui ? L'ami AJ. Non, FunFan. Regarde. FunFan. FunFan. Je lis en. C'est le François le français, quoi. Ah, mais c'est vos éclaireurs à vous, je comprenais pas, j'appuyais là et. Je dis pourquoi ça bouge pas en fait ? C'est les vôtres. Ouais. Ouais, c'est le truc, la Formule 1 qui bouge, c'est moi. La Formule 1 qui s'est barrée, c'est moi. Attendez, il est parti où le mien? Deux. Trois. T'as dit un, je réponds deux. Hein.
J'ai envoyé éclairer quelque part. Ah, B. F. F. Non. Bon, c'est pas grave. Je me sépare d'un élément parce que je pense que je vais récolter des cubes de magma. Vu ce qui me fait face. Je vais faire le sens l'inverse. Tu es en manque de nourriture, tu peux me l'envoyer s'il te plaît. On inverse un peu les rôles, tu sais. De la nourriture, s'il vous plaît. Ah, c'est mieux, toi. Oui, messire. Bon, vous remarquerez que j'ai pas de bol et pour l'instant, j'ai récolté zéro crème de magma. Ah, je l'ai retrouvé, mon éclaireur. C'est la touche virgule. C'est qui le bleu là? J'ai pas tout perdu. Moi le bleu. Oh là là, je m'en vais. Non, sorti. Ben voilà. Une crème de magma symbolique. Une mais crème de magma suffisamment rare, ouais. Tu préférerais pas une crème glacée? Au réglisse là, hein? Crème glacée au réglisse, t'en as mangé cet été? Non, c'est vrai que c'était mon rituel, mais non, c'est vrai que je l'ai pas honoré. Ah, je l'ai fait deux fois cet été. Ouais, c'est pas ma glace favorite, mais c'est bon. Ouais, c'est génial. Non, c'est vrai que je l'ai pas fait, malheureusement. Tiens, je t'envoie des petits moutons, Edgy. Tom, c'est pas un super mouton de Worms? Un mouton qui explose, non. Nova, ok. Donc, est-ce qu'on est sur une île partenaire? Ça serait assez drôle. Et non, vous êtes sur une presqu'île associée. Associée avec des bandits. N'importe quoi. Allez, bon, n'importe quoi au niveau des alliances. T'as déjà touché au jeu Vampire, le sage? Non, jamais. Non. Ah, d'accord. Jamais. Peut-être qu'un jour je me mettrai avec vous, je sais pas, mais là j'ai. Voilà, je me répète, hein, j'ai une liste longue comme une liste de jeux à faire. Longue, oui. Et on a des jeux qui me motivent beaucoup plus à faire en commun. Le dernier en date est Command & Conquer, Genesis. Ah oui, tout à fait. Voilà, je suis chez vous. Tiens, je bouge des moutons. C'est marrant. Ah, il y a encore deux moutons. Tiens, je donne deux moutons. Ah, Rotorota. Tu savais que tu pouvais donner des lingots d'or aux pinglins? Ils t'offriront quelque chose en échange. Ah non, je savais pas. Ah, tu me la plantes, Rotorota. Ah, je savais pas du tout. Tiens, tu peux marchander avec les pinglins, les hommes cochons. Tu donnes un lingot d'or et ils donnent un tigre lin d'ailleurs. On parle de lâche. Minecraft. Oui, mais. Non, mais je plaisantais, je disais les hommes cochons, on parle de lâche. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, le nouvel hébergeur s'appellera IG. D'accord. Donc, c'est possible. Je suis mon PC qui doit merder, ou le truc de FunFan, ou je crois, s'il y a la configuration des trois. Est-ce que je parle pas trop vite? On verra bien. On fera dépendant de IG. Ah oui, c'est génial ça. À la vitesse à laquelle je remplis mes coffres, ça fait peur. On est toujours en train de piler l'avion. Ah, j'ai trouvé pour améliorer de l'équipement. Bah, c'est super. Et bah alors là, super. Ah d'accord, la fédération que j'ai n'a pas de maison, ok. Ah, c'est des 1 en fait. Voilà. Bon bah, EJ, t'héberges pas non plus. J'ai plus une montre. Bon, ça va être systématique. Voilà le problème qu'on a. Exactement. GameStop due to a sync error with player phone. Ah! Bon bah écoute, Eddie, on est d'accord pour virer FunFan. Il y a erreur de synchronisation avec FunFan. J'ai pas lu en fait, j'ai pas vu. Ah, alors, c'est FunFan, ce que je propose, désolé FunFan, mais ce que je vais proposer pour faire un test, juste moi et Nayone, pour voir si c'est réellement ça. Mais allez-y, c'est ce que j'allais dire. Ok. Bien, FunFan, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Mais bon, vu que ça doit être sur ma chaîne, vous êtes embêtés. Ah, ça me fait repenser un truc de South Park avec un épisode de South Park encore. Il y a toujours le gars qui dit « Je suis désolé. » Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux partir de la salle, s'il te plaît, FunFan, sinon ça va commencer. Enfiré. C'est bon. Ah, oh, ouais, 2 minutes. Voilà, c'est bon. Non. Tu fermes la salle, en fait. Bah, qui que moi, Nayone, ce sera plus. Hein. Non, Kedji, tu peux le faire. Tu commences la construction de ta maison. Ça fait poup. Poup.
Alors du coup, on... Je pense que tu vas pas tarder à te lancer dans ce projet, Dragon Sky. Tu cumules suffisamment de matière, non? Oui, je cumule de matière en guise de cadeau, hein, évidemment, de la part de FunFan et puis Monsieur. Allez, on se rebelle. Ouais, mais faut pas te baser que sur ça, sinon tu vas pas aller. Non, je sais, oui. FunFan, est-ce que tu mets évidemment pour construire une. Ah. Non, pas FunFan, pardon, je confonds les prénoms, désolé. Demeure plutôt bien. Hmm, voilà. Donc, AJ, peux-tu mettre révéler la map entièrement? Enfin, entièrement, non, juste révélé et pas complètement exploré. Enfin, juste exploré, juste pas le noir. Ouais, merci. Bon. Merci. Rebelle Alliance. Non, pas Rebelle Alliance. Je vais prendre la République. C'est un peu dommage. Ce que je trouve un peu dommage dans Minecraft, c'est quand tu poses des panneaux, tu peux une fois que tu les as écrits, tu peux plus les renommer. Tu peux pas l'éditer, mais ouais, il faut le casser pour recommencer sur une base vierge, ouais, pour le remettre, ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu peux pas l'éditer normalement. Enfin, tu peux pas l'éditer. Là où ils ont amélioré, c'est que moi j'ai connu une époque où Minecraft, tu faisais ton panneau, quand tu validais ta ligne, et t'as 4 lignes à écrire possibles, tu pouvais plus revenir en arrière. Et ça, ils l'ont corrigé il y a pas si longtemps que ça, et c'est plus souple. Mais effectivement, tu ne peux pas éditer un panneau une fois qu'il a été posé. Ouais. AJ, peux-tu enlever les codes de triche ou laisse-les si tu veux, mais bon. Ouais. Merci. Merci. Les codes de triche. Je troll. Tu troll. Les codes de triche. Voilà, code voilà. De triche. Les codes de triche. Simuche. Ah voilà, on n'a pas exploré. Sensors activated. Ouais, bah là aussi, il faut que je règle ce souci aussi de perte d'image, le réseau. Parce que là, j'en ai perdu pas mal. Hein, en 4h20 de live. Est-ce que c'est les rats? Non, j'ai perdu quand même 35 000 images. Ouais, c'est bizarre ton histoire, que tu me dises que c'est le réseau qui fait que... Ouais, je sais pas, parce que apparemment c'est le réseau, parce qu'ils me disent que c'est le réseau, mais c'est pas le réseau, c'est autre chose. Ouais, pourtant, Internet n'est pas congestionné hein, chez moi, il est bien. Ouais, t'as un bon débit. Non mais je verrai avec toi demain soir. On se fait une... Ouais. Contrôle à distance. Check-up d'un peu de tout. Oui, volontiers. Je te dis, n'hésite pas à noter qu'on zappe rien. Et puis, tu me diras tout ce que tu veux et on va enchaîner les soucis à résoudre. Ok, je vais faire des petites maisons. J'aime bien les petites maisons. Il y a un hélicoptère qui passe. Hélicoptère. Un hélicoptère qui passe. Ouais, j'ai hélicoptère qui de Nancy, là. Attention. Ah oui, comment il s'appelle? Brutus, je sais plus, il a un nom. Hector, je sais plus comment il s'appelle. L'hélicoptère de Nancy a un nom? Sérieux? Oui. Je savais pas. Oui. Alors, je sais qu'il y a 4 pilotes qui se relayent pour pour le service. Rapatrier les blessés, les malades. Alors, je sais plus, ils avaient fait l'objet d'un reportage à TF1 il y a longtemps, hein. Mais ça m'avait marqué. Là, c'est marquant. Hein. Ils étaient 4 à se relayer. Ouais. Quelle est donc cette chose? Ah. Oh, un holocron. Alors, pour info, le jeu et les conditions de victoire sont comme dans Age of Empires 4. C'est-à-dire, soit on doit contrôler des lieux, soit on contrôle des. On construit une merveille, voilà. Ou soit on détruit les ennemis. Bon, après, détruire les ennemis dans H4 ça marche aussi, mais il faut surtout détruire les monuments dans H4. Là, il faut juste détruire l'ennemi en entier. J'ai pas exploré, c'est cool. On te monte dans le vaisseau. Oh, la merde. La mer Méditerranée, tu veux dire? Ouais, exactement. Excusez-moi, mais ça fait peur ce que j'ai à l'écran. Ça fait très très peur.
saute pour le fun, pour le spectacle. Vas-y, oui, vas-y. Oui, bien sûr. Saut de l'ange. Tu t'es craché comme une crêpe au fond. Je peux ouvrir sur le côté. Je vais peut-être faire ça en attendant. Ouais, et là, pour dissuader de, ouais, de passer. Voilà. Ce serait peut-être pertinent de passer par là. Oui, j'ai encore des cases libres dans l'inventaire. Ouais. Là, je suis dans un végétal des enfers. Comment que ça se casse, ça? Ah, il dit mini dragon, là, regarde. Attends, on n'a pas mis la carte ensemble. Mmh. C'est les animaux. Bloc de verrue du Nether. Ah, c'est une verrue, ça? D'accord. Ok. Bon, ça fait 17 minutes pour l'instant. Voilà. En fin de compte, maintenant, je te vois, t'es très bien dans les enfers, là, quasiment. Ah oui. Ouais. J'en ai bien dans les enfers. Chauffage. Mais ça fait peur. C'est dangereux là où je suis. C'est le plaisir du danger, hein. Comment ça, pas assez de nourriture? Edgy, un robot de la nourriture, s'il te plaît. Bénéfice-risque. Il y a une balance, comme beaucoup de. Non, mais c'est. Je suis fatigué de le demander. Là où je suis, c'est la mort. Oh la vache. Surtout qu'il n'y ait pas de ghast, parce que là, je suis mort de chez mort. Attends, il y a des. Oh là là. Est-ce que je vais faire une chose qui s'appelle une ferme? Ouais, c'est ce que je vais faire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai un intérêt à. Je pense pas. Ah, de la nourriture, s'il vous plaît. Donnez-moi de la nourriture, des kilos de nourriture. Je pense que je vais pas aller au-delà de là où je suis, parce que je vois pas l'intérêt de. Il n'y a pas de point accessible facilement. Ou encore peut-être le côté là, par au-dessus, mais. Ouais, allez, si, je vais aller dans la direction opposée. Oh là là, c'est dangereux ce que tu fais, le sage. Ouais, mais. C'est, voilà. Je sais même pas ce que tu fais, mais je suis dans le jeu. J'essaie de progresser dans les enfers, et puis il peut y avoir des gros bonus comme trouver une forteresse. Bon, ok, faut que je fasse des fermes, vu que mon allié veut pas m'aider. Par contre, moi, quand je vais l'aider, il va se faire un secours, et puis moi, je fais, hein. Ça fait peur. Mais enfin, le sachet, j'ai des pixels, des cubes. Des pixels. J'ai le pixel. J'attends un petit peu qu'il soit 19h, hein, et après je couperai mon signal. Parce que déjà 4h30, c'est déjà pas mal. Entre golf et Minecraft, voilà, c'est sympa. Très sympa cet après-midi. Bah oui, merci à toi d'avoir participé, Pardy. C'était rigolo, plus on est de fou, plus on rit. Oui. Oh, il faut que j'essaye d'atteindre le dessus, mais. Attends, est-ce que je peux, en me décalant un peu, est-ce que je peux tenter de rejoindre sans tomber dans le vide? Des champs immenses partout, de la nourriture sur toute la planète. Que l'Itrika n'est pas passé. Non, bah l'Itrika a peut-être posé son week-end et puis occupé autre chose. Il me faut plus de carbone. N'oublie pas que c'est les vacances scolaires. Hein. Ouais. Ça joue. Il me faut plus de carbone. Merde, comment je peux faire pour... Visiblement, oui, je peux faire une passerelle. Il y a moyen que tu prennes du carbone, le sage des arbres, et que tu les envoies dans le jeu. Je vois que tu récoltes des éléments là, ça pourrait m'être utile pour mon. Dans ton jeu à toi, oui. Alors, ouais. Le mec qui arrive à faire un lien entre deux jeux, ce serait original, remarquez, mais. Frontière de la mort. Utiliser un totem d'immortalité pour tromper la mort. Oui, je sais pas ce que c'est.
J'avais lu le succès, effectivement, mais... Je suis content, moi, j'ai eu le mien aujourd'hui. Hein. J'ai réussi à renvoyer la balle à l'envoyeur. Donc j'ai tué un ghast avec son propre gentil. Un golem de fer pour défendre un village. Alors attends, faut que je mette la torche pour dire que je suis ici. Faut vraiment que je fasse gaffe, parce que je peux peut-être améliorer mon truc. Bon bah IG1, c'était le problème... Pardon, le problème c'était FunFan, hein. Bah, ou l'ordinateur de FunFan. J'ai l'impression... J'entends un ghast. Je sais pas quoi dire. Dans l'ordinateur de FunFan, je pense. On a vu que t'es actuellement dans le Nether. On a vu que t'es dans le Nether. Le Nether. On va se pencher sur ton cas, EJ. FunFan. Les yeux bandés. Quand t'es dans le Nether. T'es pas dans le Nectar. Non, aïe, bobo au cul. Bobo au cul. Il y a un succès à déverrouiller, c'est caché dans les profondeurs. Aïe! Je suis en train de déguster. Vite manger. Vite esquiver. Ouais. Je pense que ça vient de. Merde, j'ai loupé. Non, je vois pas trouver ça. Où est-ce que ça pourrait venir parce que. Hop là, non, alors, niveau succès Minecraft, ah bah, j'ai déjà débloqué l'âge de pierre, qualité supérieure. Alors l'âge de pierre c'est très bien, mais ensuite faut passer à l'âge du cuivre. Hein. Après l'âge de pierre c'est l'âge de fer. Oh, t'as pas mis l'âge du cuivre? Non. Ah, là où je suis il y a quelque chose. C'est pas trop profond. Ah, c'est par là que je vais faire passer ma voix. Qu'est-ce que c'est? Le test, un arbre. Le test est concluant. Ouais. Pourquoi que hein. Vous avez terminé déjà la partie? Non, mais c'est juste que ça fait 20 minutes qu'on joue et que ça marche, sans déconnecter. Ouais, c'est stable. Ah oui, c'est bien. Bien joué, les garçons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on avait joué la dernière fois et le moment qu'on a joué hier, FunFan? T'as fait quoi à ton ordi? J'ai eu la fibre. La fibre, ouais. Et la box, faut configurer la box. Ouais, ça doit être ça. Je pense que ouais, t'as une nouvelle config de box et ça nique tes. Il faudrait que tu mettes le nez dans le cambouis, FunFan. Comment on fait, moi? Bon, pêcher un poisson, c'est. Ah bah faut apprendre. Moi j'ai appris hein, sur le tas. Après. J'ai un succès à faire. Pêcher un poisson sans canne à pêche. Le truc, sinon il y a pas de stream de ce jeu à moins que tu joues en solo quoi. Flottage de chèvre. Monter dans un bateau avec une chèvre. Est-ce que ce serait le même problème qui m'empêche de jouer aussi au Worms 4? Possible. Oui, c'est possible. C'est plausible, FunFan. Qu'est-ce qui se passe dans Worms 4? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai tout simplement la partie réseau est grisée. Je ne peux pas y accéder. Impossible. Oh, merde. Non, alors je veux qu'on s'occupe du problème. Ah non, AJ, tu voulais jouer en entier. Ok, on termine la partie. Non, mais on verra ça le week-end prochain ou la semaine prochaine ou la semaine dernière. Ok, ça presse pas. Ok, bah on joue tranquillement. Voilà, c'est pas. On trouvera, je vois, sur internet, je sais pas. Mais c'est bizarre. Est-ce que c'est le fait que la box, elle me change tout le temps l'adresse IP? Je sais pas. Je pense pas, parce que le fait que t'aies une adresse IP renouvelée chaque jour, en fait, c'est une bonne chose dans le sens que ça te protège des menaces de l'internet. T'es pas cible. Enfin, on peut pas te cibler, entre guillemets, difficilement. Ouais, bon, et ceux qui sont sur le coaxial ou sur la. Sur les câbles coaxial. En fait, le sache que c'est une erreur de synchronisation. Ça veut presque rien dire, une erreur de synchronisation. Ça peut cacher beaucoup de problèmes de config. Donc, c'est les paramètres par défaut de ta nouvelle box avec la fibre qui font que bah tu es le bec dans l'eau, quoi. Ah oui, en fin de compte, c'est ton cher ami là, qui t'avait dit qu'on pouvait donner de l'or à un homme cochon, oui. Oui. Bah, tu vas dire, si tu fais ça, tu déroules le succès bling bling. Ah, c'est un succès. Oh, je le ferai un autre week-end. Moi, j'ai eu mon succès du week-end. C'est retour à l'envoyeur, je suis très fier.
Ouais. Mais merci à Torota pour l'astuce. Alors là, si j'ai de la lave qui me tombe dessus, je suis dans la mouise. Qu'on se le dise. Oui, dans la mouise. Bap. Bap, bap, bap. Putain, c'est pas vrai, ma pioche elle va péter. Et puis là, je vais pas la réparer parce que. Oh, ça va sortir mauvais alors. Oh, pff, merci. Aïe, aïe, aïe. Non, mais il faudrait que je m'en prenne une neuve. Ça va me coûter bonbon. Ouais, hier soir, c'est un peu catastrophique sur Pokémon Go en mobile. Pourquoi les serveurs répondaient pas? Ou c'est ta partie qui a foiré? Non, c'est plutôt les serveurs qui étaient en total PLS hier soir. Ah ouais? Ouais, à partir d'heure française, heure locale 19h, de 19 jusqu'à 20h, pendant une heure, les serveurs ils avaient du mal à suivre. À ramer. Ouais. Ça ramait, mais une force incroyable. Ils m'ont même mis dans une file d'attente de 3 minutes. Ouais. Combien de personnes? Pour aboutir à rien, au final. Ah, c'est malheureux. Et puis que j'étais patient, après je me suis dit bon je vais attendre 20h, je retente le coup. Et là à 20h, comme par hasard, comme par miracle, ça a marché. Ah. Oh, il y a des boutons, faut lire. Oh là là. Ouais, bah ils ont dû faire une maintenance serveur. Bon, ils ont pas l'élégance de prévenir, mais. Non, c'est pas ça. Et c'est bon que il y a eu hier c'était le lancement officiel du Pokémon Go Tour de Las Vegas. Et pour la toute première fois, ils ressortent les légendaires de la région d'Oen, Kyogre et Goudron, sur Pokémon Go pour la toute première fois. En forme, et c'est pas dans leur forme normale, dans leur forme Primo Résurgence. Oh, je sais pas ce que ça veut dire, là ça me dépasse. Je suis pas trop Pokémon, j'étais en partie converti par mon neveu qui est le trafan. La forme Primo Résurgence, c'est une forme alternative qui renforce leur pouvoir. Ils sont encore plus costauds. Ah. Ouais. C'est un Pokémon plus, si je te comprends bien. Voilà, parce que Kyogre c'est le, c'est ça, c'est l'alpha et Groudon c'est l'oméga. Ils sont mimi. Voilà. C'est pour ça du coup quand ils ont fait les remakes de Saphir et Ruby sur 3DS, ils ont appelé Pokémon Saphir Alpha et Pokémon Ruby Oméga. Ils incluent cette mécanique là. La primo résurgence. Oh, ok. D'accord, merci pour l'info. Merde, en réalité. Et ça, c'est totalement inédit sur Pokémon Go. Et à cause de ça, ben, les serveurs étaient en total PLS. Ah, oui. Je me suis dit, ça y est, ça recommence comme la dernière fois en 2016. Mmh. 2016, quand le jeu était sorti, les serveurs étaient complètement. Victimes de leur succès, oui. Ouais. D'assaut, c'était saturé, voilà. Mmh. Et du coup, en 2023, ça recommençait de nouveau. D'accord. Donc, si dans plus tard, ce qui est marrant, ça recommence à nouveau. À chaque gros événement, si on est capable de gérer comme il faut, ouais, c'est la même rengaine, ouais. Voilà. Mais ils étaient plus préparés pour cette année. Ah, ils ont réagi plus vite, ouais. Mais ils ont eu quand même des soucis, hein, voilà. Mais ils ont bien géré la situation. Oh, j'ai l'impression qu'il me regarde même mal, le porcinet de mes deux, là. Oh, quel levacage de... Mais excusez-moi, mais... Oh, l'autre, vous avez vu ce qu'il me... Mais je suis en armure d'or. Pourquoi il m'en veut? Langage de clamp. Pourquoi langage il veut me défoncer, chartier. Lui De chartier, ouais. Chartier, ouais. Chartier. C'est ça, va-t'en, vilain. Bou, bou, bou. Oh le vilain! Qu'est-ce que c'est, cette chaîne où on est grossier? C'est l'espèce de cochon que je vois dans ton stream. C'est un sanglier! C'est des nouvelles bestioles des enfers! Je sais pas, il m'a chargé et puis je lui ai foutu un coup de hache, je l'ai blessé, il s'est barré. Ah, il a su trouver son maître! Vous, Doudou! Mais il recommence! Ah, au secours!
Je sais pas, il veut marquer son territoire, enfin défendre. Marquer, il l'a déjà fait, je présume. Oh. Je vois bien ça. Va mourir, monstre. Allez, pan, je t'aurai. Eh, ils sont costauds. J'ai donné 8 coups de hache enchantée. Ah bon, on est 75-75. Oh, j'ai fait plein de villages au pot. Oh non, c'est vrai, on est coincé à 75 de pop. Bah, c'est normal parce que t'as mis ta difficulté en difficile. Sur le non, 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 c'est pas ça. Ah, je l'ai. Non, non, c'est pas du tout ça. Ah, tu parlais de moi, Dragon Sky? Non, mais le sage, il a mis en difficulté difficile, ça va. Ah oui, ok, oui. Je crois que tu parlais de la population. Okay. C'est pour ça que t'avais du mal à le battre. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, ça fait un challenge relevé, j'aime bien. Mais bon, attends, où est-ce qu'on peut rendre visite à Edge pour réveiller la carte? Où est-ce qu'on y va? Où est-ce qu'on est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que. Hein? Armure, élévation, tracking. Oh, c'est tout ça? Dans un peu moins d'une heure, nous allons passer au tableau mystère. Mais attends, je suis en train de le faire, le truc, pour qu'on ait la même visibilité. Oui, mais c'est chacun de son côté, c'est pas comme Cossack. Non, mais je suis en train de faire la technologie qui permet d'avoir la même. Oui, mais c'est séparé par joueur en fait, c'est par joueur. Donc on va vérifier si tu l'as fait. Problème. Et la technologie s'appelle bien élévation de la carte, recherche, élévation, tracking, c'est ça? Là, bah, mon jeu en anglais c'est HoloNet Transceiver. HoloNet Transceiver, ok. Et moi je crois que c'était Elevation Tracking. Je research. Elevation. HoloNet. Oh, le net, non, j'ai pas là, j'ai pas là, j'ai pas là. Bon. Et tu l'as fait à l'H3 ou l'H2? H2. Ah ah, et c'est dans quel bâtiment? Ah bah non, t'es un Wookie. Le marché. J'entends de la musique, c'est normal. Là, regarde, tu vois toute ma vie. Peut-être du côté de Funfall, Nazik. Alors, là, tu viens de la voir, mais je crois que si c'est comme dans Age of Empires 2, je vois rien du tout. Parce que c'est chacun de son côté qu'on doit la faire. Si on la fait pas, on voit rien. En fait, c'est pas Cossack où tu fais pour tout le monde, c'est chacun fait pour sa gueule. Non, non, et tout est masqué. Radio. Bah, elle est là. Non, j'en vois pas du tout. Ah, je vois un grisé. Non, c'est normal, c'est Edge of Empire, c'est pareil. Normal, c'est peut-être pas utiliser sa radio. Crème de magma. Oh, cette vue. La vue qui fait peur. Dégoûté. Comment ça te dégoûté? Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre fan? Que je peux plus jouer avec eux à Star Wars, ça m'énerve. Ah, oui, ça te fait beaucoup de frustration en peu de temps, mon pauvre. Mets le nez dans ta box, vas-y, il n'y a aucun danger. Okay. Jadis, nous avions un bon copain, Nayonet, jusqu'à ce qu'il perde la raison. Et qu'il a été remplacé par le robot Phobos. Oh, c'est horrible. Il te faut programmer la box. D'accord, on le fera ensemble. Bah, je sais pas, moi, c'est ta box. Hein. Sinon, je mets des ouvertures vers ta box, comme ça je peux avoir accès à ton ordinateur. Hein. Ça m'intéresse pour moi. Ça va bien. Ah. On le fera avec non. Le stage avec une ouverte. Ouais. Oh, ça dépend s'il est disponible. Oui, oh, ça peut s'arranger. Vous me demandez, vous savez, vous me contactez par message privé, vous me dites ce qui ne va pas pour savoir si je peux vous aider. Et après, on convient d'un rendez-vous. Voilà, c'est comme j'ai fait pour Edge pour ce soir, où je veux l'aider à comprendre comment fonctionne la boutique, là. Et pareil, vous voyez, pour Dragon Sky demain soir. Bah, Nayone, sinon, bah, je te propose d'arrêter maintenant parce que je vais aller bientôt manger. D'accord, bah, j'abandonne. On a tenu. Bientôt, je vais arrêter parce que là, je vais entendre le petit coucou magique là qui va se mettre en route là. J'ai testé un peu les bâtiments. Voilà, 75-75. Voilà, voilà. Voilà, maintenant, j'entends le petit coucou. Ça veut dire que c'est l'heure de miam miam. Tout le monde, je pense. Voilà. Eh ben c'est bien, on a bonne app. Non, moi je peux pas dire oui puisque j'ai triché il y a 3/4 d'heure avec ma brioche, j'ai craqué. Mais ça m'a fait du bien, mon quart de brioche m'a fait du bien, ça m'a calmé le... Du coup là j'y vais.
Je vais quitter. Attendez, je vais pas quitter tout de suite, voilà. Hop, c'est bon, je me déconnecte. Ben merci à toi d'avoir joué, mon cher Dragon Sky. Tu repasses quand tu veux, tu sais que tu es toujours le bienvenu. Oui. Voilà. Du coup, là, c'était mini golf et puis le Minecraft hein, avec les copains. Du coup, c'était sympa. En tout cas, merci à vous. Hein. Non, mais merci à toi d'avoir participé. Le plaisir et la joie est réciproque. Voilà. Et puis, du coup, c'est ça pour les autres. Normalement, j'ai mis au programme déjà les futures vidéos sur la bio de Twitch hein, directement. J'ai mis au programme déjà pour la semaine prochaine. Je m'en rappelle plus déjà parce que des fois je sais, des fois je sais plus. Des fois je perds un peu dans mes mémoires un peu. Du coup. Bah, salutations à ton public et puis salutations particulières à Litrika, on n'oublie pas. Oui, Litrika Civi. Voilà. Du coup, le 13 février, la semaine prochaine, elle est le 20, voilà. Du coup, bonne surprise. Du coup, il y aura un jeu que ça va faire plaisir à FunFan. Dès lundi, on s'attaque à du zombie tsunami sur mobile. Ah, chouette! Ah, ouais, intéressant! Voilà, du zombie tsunami. C'est de la manière dont tu me l'avais présenté, ouais, ça m'intéresse aussi. Zombie sur mobile. Voilà. Je demande à voir. Lundi soir, donc. Oui, lundi soir, voilà, à partir de autour de 20h30. Ok. Jeudi, après. Bah là, lundi, un petit live tranquillou. Mardi, mercredi, ben pas de live parce que un petit peu de repos. Après jeudi un live sur un jeu mobile que vous attendez tous, hein, c'est Tomb Raider Reloaded. La suite de votre héroïne préférée, Lara Croft. Et t'en bave. Voilà. Parce que c'est dur. Et j'en bave, voilà. Et samedi prochain, encore un autre jeu mobile, évidemment ce que je vais en faire, parce que je mets en lumière maintenant le... J'ai lancé, ça y est, une fois que j'ai lancé la machine, on est parti. Samedi, on va faire du catch par-dessus la troisième corde. Oh. Ouais, le fameux jeu de catch, mais attention, c'est pas un jeu de catch, c'est un peu particulier, ça va être des cartes. Ah. Des cartes WWE Supercard. Ouais, Supercard. Voilà. J'ai déjà joué. Et puis dimanche, je ne sais pas si je fais un live ou pas, on verra. Mm-hmm. Hein, tout dépend du temps et tout ça, voilà. Là, parce que ils me disent que là c'est encore golf et Minecraft, mais bon ça je vais changer. À partir de demain, ça va être changé. J'ai fait la bêtise à ne pas faire. Et encore, ça s'est plutôt bien terminé. Oye, oye. J'ai voulu jouer la provoque avec un cube de magma. Voilà le résultat. Dead. Enfin, pré-mort. Pre-dead. Non, il n'a pas fini d'en découdre. Viens par ici, assassin. Bep. Non, mais il va finir par me tuer. Parce que je suis dans la mouise. Ah, je suis foutu. Ah non, merde, c'est du bois. Non, je peux pas. Là, je suis mort. Ouais, j'ai tout perdu. Alors, j'ai perdu une pioche neuve qui était enchantée. J'ai les boules. Mon armure, ça va, je peux en faire. J'ai perdu mon honneur dans cette affaire.
C'était sûr, c'était sûr. Voilà. Fallait que ça arrive. Oh, ça fait... Ah oui, on voit ma mort, forcément. J'ai essayé de nager dans la lave, tu m'étonnes. Ressuscité. Chez moi, tout confort, merveilleux. Aïe, 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 aïe. Tout est à refaire. Ouh, tchou, 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 tchou. Moi, je vais vous laisser, je vais aller manger. Bon app. A plus, merci d'avoir joué, participé, tout ça, tout ça. De rien, de rien. Ouais, bon appétit, Edgy. Merci, à plus. Alors, il y a là, tout à l'heure chez Bastos. Ouais. Ok. À partir de 21h, Bastos. Enfin, je lui ferai un relais de chaîne. Oh la vache, j'ai de ces pioches. Fortune. Ah, fortune 3, ouais, elle est spéciale la pelle là. Je préférerais avoir une autre pelle. A plus Dragon Sky. A plus Dragon Sky. A plus Dragon Sky. Ah là 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 là. Pour le coup, là, je vais pouvoir me faire une armure complète en or avec les lingots de fer qui avaient été généreusement offerts par FunFan. Là, je vais me faire carrément l'armure intégrale. Non, pas tout. Oh là là, je suis fou, moi. Ibi. Bien fait pour ma gueule. Oh, je suis tout d'or vêtu. Ça change. Même les chats sont intrigués. Dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Fini de donner des coups de tête aux iris. Alors. Il me faut une hache de combat. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, puis des haches de réserve, je crois que je m'en étais pas faite. Le sage, ça peut. FunFan, ça peut marcher le lien que tu m'as donné. Ah. Peut-être, mais ça, pas forcément que. Ouais, ça peut être. On peut tester comme ça. On peut tester comme ça. Mode DB, allons-y. Allons-y. Alors, il me faut de la bouffe. Oh, bah, je vais le télécharger. Hein. C'est le jeu Yepeldu. Il me refaut les torches, il faudrait que je me refasse une... En plus, il apporte des nouvelles civilisations, donc... Pas de boussole, excuse-moi, le chat. Oula, mon pauvre. Il me faut une montre. Alors. Est-ce que ça va être une... Oh merde, j'ai plus de bois. Au secours, j'ai plus rien. Je le donnerai aussi à Edgy. J'ai pas de bois classique. Ah, oh, c'est un Winzy. Oh, 50 minutes. Mais j'ai pas 50 minutes sur moi. Oh. Bon, ben, ce sera pour la semaine prochaine. Bon, bah, je vais regarder. Après, tu veux prendre peut-être un autre client. Non, je vais manger pour avoir un autre bois, parce que ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Là, je fais les manches. Un petit concurrent. Hop là. Hop là. Oh, l'Underman. Et ça. Oh, je vais presque bien. Oh, je suis satisfait de moi-même. C'est bien. C'est bien. Est-ce que j'avais des sauts en rab? Du coup, je vais faire comme toi si ça rame. Ah non, ça va vite. Oh, génial. Enfin, vite, c'est relatif, quoi. Eh oui, on peut dire que quand ça rame, c'est pas gay. Ah. Ah bah oui. Là, j'aurais eu le droit à un tadoum chez Poupon et chez Christella. avec... Oui. Bah, les bateaux avec les marins, ça rame. Hein. Oui, oui, c'était rigolo, celle-là. Oh. Oh, Dragon Sky, merci, qui me fait relais de chaîne. Merci, Dragon Sky. Alors, je crois savoir que ton direct s'est bien passé.
puisqu'on avait partagé les activités. Et c'est gentil, merci. Je m'y attendais pas, tu vois, sur le coup. Merci, merci. Fun fact, j'ai la version 1.5. T'as la même version, c'est 4.2. Sky. Merci. Je peux te dire ça. Moi, je crois que j'ai la version 1.1. Ah, bah j'ai pris la dernière, moi. Pelle. Peut-être pour ça que ça gêne. Ah oui, si t'as pas la même version, c'est tout trouvé, FunFan. Ah non, mais ça c'est un mode en plus, peut-être que ça réglera le problème de réseau, si ça fait une petite autre fonction. Bon, après si c'est pas la box, tout ça, ça m'étonnerait fortement, quoi. Généralement, quand j'ai des activités en réseau, il faut que tout le monde ait la même version du programme. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais on a installé, en fait, qu'on a essayé, ce qu'on a fait tester, c'était avec la version de base. Et là, on télécharge un mode pour voir si jamais on peut outrepasser le problème de FunFan de déconnexion. D'accord. Il modifie le fichier. Ouais, on a peut-être quand même besoin d'aller fouiller. Il y aura peut-être besoin d'aller fouiller sa box. Ou, je sais pas, son PC, il y a un truc qui cloche. Je vais te dire quelle version. J'avais des torches. Mais non, mais la version de. On a la même version sur GogFunFan, on a la même version. Ah, on a la même version, ok. Bah oui, oui. À un point, quoi. Bah non, mais la version Expanding Front, moi, je suis allé chercher un mod qui est à la 1.5.4 qui me donnait un lien avec 1.4.2. Ah, j'ai donné le mauvais lien, ok. Oui, oui, tout à fait, ouais. Mais après, je suis allé chercher un lien moi-même. Hein. Si toi, t'as un lien avec 1.5, hein. Et je vais même aller vérifier s'il n'y a pas une version encore plus récente. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ouh, de la bonne techno. Attends, j'ai cru qu'il pas. J'aime bien ce que j'entends. Non, me voilà, je suis de retour. Mmh. Oui, merci pour le chaîne, c'est sympa. Ouh, tes souhaits, FunFan. Il y a eu un attentat bactériologique. On dirait, c'est horrible. Du côté de la Provence. Des... Torche, j'ai enfin fini ma série Netflix de Agretsuko, la saison 5. Ah, je connais pas du tout Agretsuko. J'ai apprécié en tout cas. Bah c'est bien, c'est l'essentiel. J'ai pris ce marine. Ah, un toucher de soi, ouais, c'est embêtant. C'est marrant pour une fois que j'ai pas de torche dans un jeu de coffre. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors, c'est ça. Je sais même plus ce que j'avais là. C'est ça qui est dingue. Je sais que j'ai un truc important là, mais je sais plus ce que c'était. Là, j'ai les torches normalement, et là, j'ai un peu de bois. Donc, qu'est-ce que j'ai habituellement sur cette case là qui est vachement pratique? C'est pas la boussole, c'est pas une carte. C'est la longue vue, je crois, que t'avais. C'est chez qui que j'ai entendu le ding-ding de Windows comme si on débranchait un truc USB? C'est chez quelqu'un? Non. Non, pas du tout. Moi, c'était un totem de Discord, je pense. Ah, alors moi, je viens d'avoir un problème avec... Il y a Windows qui vient de me parler, là. J'espère que c'est rien d'important. J'ai dû avoir une notification qui est pas sur mes écrans puisque je mets le jeu en premier plan. Merci de votre réponse, donc ça doit me concerner, je verrai ça hors antenne tout à l'heure. Comme tu m'as dit que tu avais le dernier patch, tu me l'enverras du coup. Oui, 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 je l'ai envoyé. Mais il faut que je cherche, je suis en train de répondre à un pote qui... C'était pas la boussole que t'avais, le sage. Ça, tu me l'as envoyé. Non, pas la boussole. Attends, j'ai rien envoyé du tout. Tu vas me l'envoyer, d'accord. La montre, je l'ai retrouvée, je l'ai refaite. Non, mais la longue vue. Quoi ? La longue vue, merci, c'est ça, Dragon Sky. Ouais, je te l'ai dit tout à l'heure. Pardon, je t'ai pas entendu, mon pauvre. Mais bien joué. C'est ça. Eh oui, c'est la longue vue. Bien vu. Il me faut des cristaux de gemmes. Exact, Dragon Sky. En ce moment, moi, je suis. Ah, tu donnes le lien à FunFan. Ah oui, oui, complètement. Je le donne dans ton serveur directement. Ah bah tiens, j'ai le saut en direct. Ouais, il me faut des cristaux de... Ouh, pourquoi la porte est ouverte?
Je sais comment je vais refaire ma longue vue. Enfin, en partie. Parce que c'est quoi ce qu'il faut d'autre? C'est du cuivre qu'il faut avec les cristaux? Ou c'est... Non, c'est de l'or, je crois. Merde, je sais plus. Ah, ah bah j'en ai une là. Coup de bol. Ah, parce que je pensais, bah au pire, t'avais ton cahier de recettes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison, Dragon Sky. Ouais. Au pire, ouais, j'aurais eu de l'aide mémoire. Qui est très pratique, c'est très bien pensé. Là aussi, je pense que ça a été shippé d'un ancien mode. C'est très bien. Ah, il y a encore plus rouge. Je l'ai passé, ouais. Oh. Ouais, mais il va me falloir 50 minutes pour le télécharger, celui-là. Eh ben, va dîner, FunFan, et puis tu reviendras voilà. Après le dîner pour jouer. Sinon, moi, ça m'a pris à peine... Enfin, moi aussi, du coup, je vais dîner, du coup, mais je reste dans la vocale. Ça m'a pris une vingtaine de secondes. Oui, merci, bon app, à tout à l'heure, Dragon Sky. Oui, je vais juste en muet. Oui, pardon, voilà. Je t'ai interrompu, Nayonet, tu disais. Je sais plus, j'ai en train de lire un autre truc en même temps. J'étais à chien en 30 secondes, je crois, 20 secondes, 30 secondes. Bah... Pourtant, je fais donne-moi none, et c'est... Pourtant, ça me voit. Il me dit, il me faudra 36 minutes. Bah, tu fais download, et sinon tu cliques sur Mirror. T'as cliqué sur le petit mot Mirror, Mirror. Ah non, je vais essayer. Il y a soit cliquer pour télécharger ou cliquer sur Mirror. Alors ouais, ça... pas le ouais. Produit nettoyant, hein, mais miroir en fait. Pourquoi je me suis retrouvé hors... Bah t'as plusieurs miroirs. Attends, bah, je te donne la page. Ah non, je peux pas, c'est une page... KHUS, Francfort, KHUS, KHUS, KHUS. La California, USA, donc c'est loin, prends Francfort, c'est plus près. Par contre, il y a 2237 dans la liste d'attente. Ah oui, non, tu peux pas, il y a une file d'attente. À moins que tu essaies, fais voir. Non, c'est grisé. Francfort, hein. Ah, oui, Francfort, c'est grisé. C'est marqué, il y a 237 personnes qui attendent. Donc, capacité, tu prends le premier, c'est marqué. Capacité 71. Attends, je sais pas si c'est. Ah, j'ai pas de bouclier, je me suis pas fait de bouclier! Je prends le premier en fait de. Le premier, ok. Vas-y, essaie. Sinon, tu prendras le second. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Ah oui, mais il faut du bois. Merde, le bois il est où? Je sais plus, c'est reparti pour un tour. Réinspection de tous les coffres. Merde, c'est là où j'en ai plus. Tous pareil. Ça va être tous même, ok. Ok, mais ne lance pas plusieurs téléchargements en même temps, sinon ça va prendre encore plus de temps. Tu m'étonnes. Non, pas des planches. Oui, bon, ça peint si tu veux. Ouf. J'ai installé le mod, je vais te dire. Voilà. Voilà, je l'ai mon. Allez, je vais mettre ça là. Bon, je crois que c'est la bonne. Je vais pouvoir retourner dans les enfers. Eh ben, j'aurai une belle mort. À mon avis, ma mort, je vais la clipper. Mais. Aïe 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 aïe. Qui voulez-vous? Dans une demi-heure, le tableau mystère. Hop là. Bon, bah tant pis, je vais attendre une demi-heure, hein, pas le choix. Ah oui, va te restaurer en attendant, comme ça te laissera toute la soirée et voir la nuit pour faire mumuse. Non, parce que j'attends qu'on m'appelle. Ah oui, j'ai pardon, c'est vrai. Et on va dire je stresse, je sais pas quoi. Donc ouais, bah je vais attendre une demi-heure, Nayone. C'est bizarre que toi tu l'es. Oui. Bah on t'appelle. On t'appelle, la porte t'appelle. Ben oui, je disais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est bizarre que toi, ça te prend 3 secondes et moi, il me faut une demi-heure. Ouais. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, bah, je vais y aller après, on verra bien. Juste ta box, il doit me merder un petit peu, je pense. Ouais, c'est étrange, vos histoires de. Ouais. C'est reparti dans les enfers! Ouais! Burp.
Oh merde, j'ai fait tomber le cube de magma dans le néant. In the néant. Oh, oui, on pourrait presque aller... Ah, il y aura peut-être moyen d'aller au-dessus. Fais une colonne et puis tu regardes s'il y a un truc d'intéressant. Ou à partir de là, faire un escalier. Ah oui, il doit y avoir moyen, tiens. Mais à partir de là, vous allez voir que je vais refaire la même connerie, bêtise, pardon, pour parler poliment, en bis repetiteur. Attends, je vais mettre une petite lumière pour me dire, une petite torche que je suis passé par là. C'est le briquet que j'ai pas repris. Et voilà la boutique que je suis. Enfin, c'est pas grave, j'en ai plein dans le coffre à côté, mais... Par principe, j'aurais dû y penser avant de retourner dans les enfers. Oh, j'aime pas, j'entends de la lave. Si je creuse pas là où il faut, je suis foutu. Je suis foutu. Je suis foutu. Game over. Non. Oh, la musique. Je sais pas si vous l'entendez bien. Moi, je l'entends en fond. C'est de la hard tech. C'est de la bonne. Je dois pas être très loin de la surface, bordeloum. Oh 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 oh. Oh poto 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 poto. On ne panique pas. On ne panique pas. Mais je crois que je l'ai dans le baba. Je vais pas la jouer comme ça. Attends, là, il y a un truc tout proche. Je peux pas faire un... Oh. 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 Ah. Non. Je vais y retourner, au secours. Oh oh. Voilà. C'est fini. Dadi doudi doudi. Et il y a de la lave en plus en bas. Je crois qu'au final, je l'ai dans le baba. Ah. Alors c'est jouable. Difficilement, mais c'est jouable. Avec un peu de sable. C'est dur hein, de reprendre la main. On désespère pas. Je peux le faire. Je peux le faire. Là, je peux encore récupérer mes affaires, parce que là où je suis mort, je suis au sec. J'espère juste que j'ai des affaires qui n'ont pas giclé dans la... Bon, j'aurai une perte partielle, pas totale, mais... Tiens, je vais prendre quelques baies en bouffe de fortune. Voilà, ça va me... Hop, s'il m'arrive des misères... Attends, je clique mal. Bon. J'arrive même plus à me saisir des baies que je... Aïe! Non, faut pas que j'aille dedans. Voilà. Bah, c'est très bien. Voilà, là, j'ai plein de bouffe. Deuxième service, deuxième mort. Alors, j'ai try to swing in lava. À essayer de nager dans la lave. Et j'ai brûlé à mort. Burning to death. Et bah dis donc. Tous les plaisirs des enfers. Ouais. L'horreur. Oui, oui, oui. Doudidoudidoudou. Ah oui, j'ai pas d'armure d'or. J'excite les arbalétriers parce que maintenant ils me voient comme un traître.
Oui, j'avais oublié. Ce n'est pas un détail dans les règles du jeu. Au secours, maman, j'ai peur. Ouh, 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 ouh. Oh non, 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 vous vous dégagez. Hop, tu dégages. Hop là. Alors. Oh non, mais il y a des cubes de magma partout. Alors. Ah, bah la lave, elle est plus là. Ah, j'ai eu le temps de poser mon cube. D'accord. Ah, bah ça me rassure. Ah, bon bah finalement j'ai rien perdu. Alors attends, celle-là c'est la fortune 2, là j'ai la fortune 3. Je réorganise mon, j'allais dire mon agenda, mon inventaire, excusez-moi du peu. Bon là je peux mettre ça là, ça c'est là, il me manque la bouffe qui est là normalement. Voilà. Ah, alors, mon surplus de matos, je vais le ranger dans le coffre. Pas folle la guêpe, pourrait-on dire. Oubliez-moi les cubes de magma, oubliez-moi. Ah, ah, la petite planque de sécurité. Eh ben, c'est pas mal, ça. Oui, c'est pas idiot de mettre le sable ici. Le bloc de magma, je peux en faire grand-chose dans l'immédiat. Voilà, hop, danger. Faudra le voir comme ça. Alors, je peux reprendre mes aventures périlleuses dans les enfers. Alors. Parce que... Ah, voilà pourquoi. Voilà, voilà pourquoi... Pourquoi tout ça, on n'en veut pas. Voilà pourquoi. Ouba, ouba. La musique a l'air d'être très space. Délirante. Le peu que j'entends, là, c'est une ambiance particulière. Qui que quoi? Ah, bonne fin de direct, dit Christella. Bon courage en enfer. Ouais, merci. Merci tout plein. Merci. Bah, bonne soirée, bonne app à toi, Christella, en espérant que ton mal de crâne ne soit plus qu'un mauvais souvenir à cette heure-ci. Merci, merci. Christella qui souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis... Bonne soirée, Christella. Demain, à partir de l'heure du goûter, 16h30, normalement, tu vas diffuser sur ton antenne. Voilà. Ouais, merci à toi d'avoir été là, ne serait-ce que dans le chat. C'était fort sympa. Merci, merci. Ah. Qui bien, on est relax. Mais je suis sûr, ouais, je peux passer par au-dessus et c'est intéressant. Alors là, je présume qu'il y a des poches de lave au-dessus ou c'est froid. Ah non, enfin, la lave est toujours au même niveau. Bizarre. C'est vachement casse-gueule quand même. J'aurais pas à dire, mais. Pff, non, 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 non. Je suis en danger. Non, non, je suis en danger. Faut pas que j'aille là. Là encore, il y a. Oh, j'ai failli faire le. Voilà. C'est vraiment dangereux. Comment je peux faire? C'est bien, on entend que tu t'éclates. Oui, oui, c'est la fin. Je suis en train d'écrire avec des potes que je connais IRL. Je me dépêche de... T'es parti dans ton délire, c'est excellent. Est-ce que je m'entends rigoler? Putain, c'est ah bah oui. Là, je devinais que tu étais en train de pressauter de rire devant ton ordi. Bah, c'est bien. Excusez-moi, je pensais que c'était discrètement, mais ça... Ah, le cube de magma est là. J'ai la gueule. Pas de cube de magma? Oh, vilain. Dans les enfers. Oh la vache.
Dur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'essayer de... Si. Ah, c'est là je peux, mais... Ah si, je peux. Ah, il y a des petits CON de cubes de magma, là. Des CON? Ouais. Ah, faut s'en débarrasser. Oui. Faut les ignorer. Ignorer difficilement, parce que ils sont casse-bonbons. Oh, le petit malin, il m'a vu, il saute sur moi, le salopio. Le souci, c'est que j'ai le parent qui est pas loin. Si le parent me détecte et me saute dessus, là, je suis à nouveau dans quasiment condamné à mort. Je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir. Ah, que l'endroit est dangereux. Oui, je sais que tu m'as vu, je sais que vous êtes plusieurs et je sais que vous allez me patater. Faut que je vous tienne en respect. Faut que je vous tienne en respect. Tant pis si je récolte 0 cube crème de magma, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de sauver ma peau et pas me perdre dans les méandres. Oh, j'ai pas assez de... Je vais peut-être revenir avec mon fameux sable, là. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe, il m'a touché. C'est scandaleux. Ah, les vilains. C'est la guerre. Ah, vite, il va me buter. Aïe. Re, je suis nerveux. Pardon. Faut que je me refasse une santé. Ils vont me buter. Oh punaise. Alors là, du spectacle, je vous en offre. À un quart d'heure du tableau mystère, c'est... Merde, j'ai plus de roche. Enfin si, j'en ai un peu, mais... Je vais attendre de régénérer tous mes cœurs. Là, j'ai quasiment... Si ça va, l'armure d'or tient le coup. Bon, c'est déjà ça. Je m'attendais à ce qu'elle pète plus vite. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Qui se passe quoi? Il y a un trou dans le bois et du coup le fil s'est coincé dedans. Ah, malheureux. Touche du bois, ça porte chance. Allez, c'est reparti, je repars en guerre. Vilain cube de magma, va mourir. Oh, merci. J'ai beaucoup aimé le cadeau. Anthony. Qu'on l'embrasse. Alors, attends, j'étais où? J'étais là et j'avais sauté là, moi. Ouais. Mon souci... Ah bah, ils sont plus là, visiblement, je les ai eus. Oh, punaise. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller là? J'ai pas l'impression... Merde, il y en avait un dans mon dos! Il y en avait un dans mon dos, de vilain pas beau. Attention. Oh non, mais je vais mourir. Non, mais ça vaut pas le coup. Là où je suis, c'est la mort. C'est la mort sans intérêt, qui plus est. Non, ça vaut pas le coup de monter là. C'est le territoire des cubes de magma et ça le restera. Et là, ils vont me cueillir parce qu'évidemment, ils sont sur mon passage de retour. On a joué un mauvais tour. Oh là là, cette vision de cauchemar. Fun fact,
T'es là? Oui, je suis là. C'en est où le téléchargement? Téléchargement. 15 minutes encore. Oh bah ça va, quand je vais lancer le tableau mystère, t'auras fini le téléchargement. Je vais jouer le tableau mystère moi aussi. Ah bah le temps de... Pas que laisser toujours Quinsen. Ah, bonne partie, Totaro. Hein? Je pense qu'il est parti. Mais... Non, il est là, Torotas. Il disait au revoir à Christella en disant qu'il espérait la croiser sur mon serveur de Minecraft bientôt. Ça se fera très probablement. Mais c'est Christella qui nous quitte. Oui, Christella est partie dîner. Voilà, et ce, voilà. Oui, elle est partie. Ah, bonne soirée, Christella. Alors, bon, elle est là, je le sais maintenant, c'est pas intéressant. Je pourrais éventuellement, si je suis hardi, récolter la roche noire, si elle m'intéresse, mais non, non. Je vais continuer là où j'en étais, là-bas. Vous voyez, je suis déjà au niveau d'expérience 5, ça paye. Il y a un truc que je me suis toujours posé, Nayone, puisque c'est un jeu qui est à l'ancienne, tu vois, Star Wars. Ouais. Est-ce que, je parle en général, hein, je parle pas pour ce jeu. Est-ce que ça peut être dérangeant, voire faire des incompatibilités, de passer par exemple d'une version 1 à une version 4 sans avoir téléchargé la 2 ou la 3, ou pas très grave sur les patchs, sur ces vieux jeux? Bah, généralement, ça peut inclure le patch, le mode, mais ça ne peut très bien aussi ne pas l'inclure. Et ça dépend des fichiers qui sont modifiés, qui sont ajoutés, qui sont exploités. Mais je crois que c'est le dernier patch pour le jeu. Quelle aventure! Waouh! Ce qui est surprenant, c'est que le patch il est sorti en 2016. Donc il est récent, quoi. Youhou! Ouais, le patch est récent, oui, mais voilà, mais nous on a un patch récent, à mon avis, il n'y en a pas plus. Ah oui, il n'y aura pas plus récent que ce patch. Ouais, voilà. Je pense pas. Bah, Ogok, mais quand même le dernier. Ah oui. Bon, si on part du principe qu'ils sont pas à la ramasse. Aïe. On va dire à Tonton Edgier si ça marche de le télécharger aussi. Tonton Edgier. Ah ouais, moi j'ai dit tonton partout, moi. Ah, parce qu'ils sortiront plus tard une version 1.5 avec des nouvelles civilisations. Dans le jeu? Bah elle est là, la 1.5. Quand tu fais traduire... Ah bon. C'est ce qu'on veut. Ah, c'est pas la version... Ah oui, c'est la version 1.5 qu'on met, ouais. La version 1.5, elle ajoute des nouvelles civilisations, apparemment. J'ai pas pris de briquet, je suis un abruti. Encore que c'est pas la fin du monde, mais. Bah attends, mais je parle moi, mais je vais décoller sur Discord. Et Il y a un mode HD pour le jeu. Oh, c'est dans le. C'est dans le patch, j'imagine. Bah. Ouais, enfin, je sais pas, ils appellent ça un mode HD. Merde. Le sanglier m'a vu. Le sanglier me charge et là c'est un adulte. Ouh, l'adulte qui fait bobo. Parce qu'elle mode. Attends, mais je vais regarder, je vais installer le patch là. Hop, c'est parti. Je me fais déboîter. Oui, bah non, je veux pas mourir à nouveau. Là, j'en ai marre de mourir, moi. Laissez-moi en paix. Mais il court plus vite que n'importe quoi là, et oh. Je vais me faire démonter. Ah oui. Non, ils sont partout. Ils me déboîtent, ils sont partout. C'est horrible. Ah, evacuate. Oh, j'ai eu très très chaud. Oh, mon armure a pas mal tenu. C'est une définitive édition. On peut aller jusqu'à la 4K même. Ah. Satané sanglier.
Il faudrait presque une arme de jet puissante. J'ai encore jamais joué de l'arbalète et des carreaux. Mais je pourrais me contenter d'un arc puissant et quelques flèches c'est à décocher. Par la communauté de fans, hein, c'est pas officiel. Mm. Bon, en général, les fans, ils font bien le job. Return of the Fiend. Bon, là, il n'y a pas de cochonou, ça va, les sangliers sont calmés. Avec des options de zoom en plus. Oh, c'est un... Qu'est-ce qu'il fout sur une poule, lui? J'hallucine. Ah, là, c'est extrait. Parce que je le mets. Mais... Ah, il faut remplacer le truc. Bah, attends, il donne le jeu complet. Comment que la poule est arrivée dans les enfers? Ah, attends. Alors, attends, je vais lire les instructions. Elle a subi la malédiction de KFC. Oh, la vidéo YouTube. C'est trop bizarre. Bon, ça permet de le rendre... On va dire que ça lève juste les pixels, mais bon, ça reste des... C'est juste du remaster, hein, ça... Oui, voilà, ça réduit, enfin, ça adapte la résolution. Alors, attends, c'est pas ça que je veux, c'est... Oh, il y a Oulbit dans... Oh, non, mais bon, moi, je mets en premier le patch du mod, et après, je mettrai le mod HD, hein, pas les deux en même temps. Ouais, mais on... ça se trouve, ça met le truc qu'on a mis, ça fait... Quoi. Qu'est-ce que... Ah, tu crois? Qu'est-ce... Attends. Mais qu'est-ce que je vois? Oui, ça, oh, ça inclut. Ça des inclut ossements. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, Naïoni? Je télécharge directement le HD, j'arrête de télécharger l'autre. Mais là, on pose l'autre. L'autre. Tu gardes le HD. Tu pas le HD, non. Tu gardes le 1.5, là. Tu le télécharges. Et, ouais. Ouais. Merde. Ouais, il reste une minute. Moi, je le casse. Okay, et après, je télécharge le HD. Wow. Je parle le bon truc. Merde, j'entends un ghast. Attends. Tac, all. Bon, je sers moi. Ouais. J'ai tout téléchargé. Oh oh. Oh là là. Okay, merde. Donc, tac. Tac. Merde. Oh, mais j'y arrive pas. Ah, je l'ai eu. Oh, c'est ça qui fait les flammes bleues? C'est trop étrange. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah, un archer squelette. Oh. Ouais, je peux traverser ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Et... Parfois les... Alors il y a quelqu'un qui lui pose une question, c'est en anglais, mais j'ai fait traduire. Y a-t-il une différence entre le jeu acheté sur GOG et celui sur Steam? Il dit... Parfois, les mods ne peuvent pas fonctionner sur la version Steam des anciens jeux, car les mods ont peut-être été créés pour les anciens, pour la version CD GOG, avant la sortie de la version Steam. Je ne pense pas que celui cause problème cependant. Ah. Mmh. Attends, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah, ok, j'ai trouvé. Mmh. Il peut utiliser Game Rangers. Ok. Non, ça va être l'heure du tableau mystère. Mystère, tableau, mystère. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh. C'est quoi là-bas, oui, au loin? Oh, j'arrive pas à distinguer. Il y a une structure, mais est-elle naturelle? C'est peut-être une grosse verrue du Nether qui fait le gabarit d'arbre. Oui. Oh là là. Je crois qu'on va faire la suite de l'aventure Minecraft après le tableau mystère. Tableau mystère. Parce que Minecraft devient Minecraft mystère. Là où j'en suis, c'est waouh. C'est trop étrange, il faut que j'aille voir. Alors attendez, je me mets à l'abri et je me déconnecte. Je fais une connerie. Bon, c'est pas grave, je pourrais l'installer. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est dans le jeu. Non, non. Au secours, il y a un gars qui m'a repéré. Oui, je l'ai eu. Non, il y en a un autre. Mais arrêtez.
Arrêtez! Oui! Oh, je suis devenu un tireur d'élite contre Ghast. Ça y est. Voilà, et je retourne dans les enfers d'où je viens, mais les enfers bleus. N'importe quoi. Alors, en fait, oui, il y a le patch dans FunFan pour la HD dans le 1.5, pour le mode 1.5. Ah! Voilà, ouais. Alors, allez, on va faire le tableau mystère, je deviens fou. J'ai découvert un super endroit, dit Torota. Avec un peu de chance, on n'aura pas de Quinsen dans nos pattes. Ah, oh. Attends, il faut voir si ça... T'as mal lu mon chat, FunFan. Attends, je reprendrai après. Il est à l'heure. Il y aurait qu'il y a un moyen, genre qu'on puisse avoir un tableau mystère à type 3h ou 4h du matin, comme ça, il n'y a pas de Quinsen. Alors, méfie-toi, parce que tu sauras que j'ai l'heure, tu sais, des réponses dans mon tableau de vérification. Et j'avais vu qu'une fois, il a dû avoir une insomnie, tu une scène, il m'avait donné les réponses justement à ces heures-là. Ça m'a fait rigoler. C'est propre, FunFan. Ça rend bien le patch. Okay. Ça fait 1080p.